Hey, bonjour tout le monde, salut Lambert, ça va? Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à la presse qui show, les boys. Ça va bien, ça va bien, toi? Ça va, oui, ça va, merci Hubert. Ça va très bien, ça va très bien. Yes, hey, ok, donc oui, comme euh, je, viens, je, viens de, je viens de voler le, 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 le punch, on a un invité aujourd'hui, la gang. Lambert, est-ce que tu veux le présenter? Lambert qui se présente lui-même. God, <laughs> euh, <laughs> je me suis tellement trompé. Ouais, Lambert, est-ce que tu veux ben, te ben, présenter ouais. Mais d'abord merci les gars de me, me recevoir dans votre repère de l'après ski chaud. Ben oui. C'est euh, comme vous savez, c'est un honneur pour moi d'être avec vous. Euh, donc euh, moi c'est, euh, je m'appelle Lambert Quezel. Euh, je suis présentement avec les euh, les Carabins. Euh, je compétitionne avec les Carabins en ski alpin. Puis euh, dans le fond, j'ai fait un, un certain parcours en ski. Là. Ouais, ben, certains quand même nice, je pense. Je ouais, pense ouais. quand même assez complet. Là, assez large, ouais. 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 C'est un peu ça que je veux qu'on passe ensemble aujourd'hui. C'était de voir ton, ton parcours de ski. Tu as fait quand même plusieurs... Tu as fait toutes les équipes d'élite, tu as, as monté beaucoup de, de marches au niveau, au niveau euh, ouais. ski de compétition. Donc, ça va être de voir avec toi un peu ton expérience là-dedans. Voir comment tu as trouvé ça, les différences entre tout ça, puis euh, parler un peu de tes, tes, tes exploits, si on veut. Avec plaisir, puis sincèrement, je trouve ça vraiment cool que tu aies fait ça, là, parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de pas beaucoup de tribunes pour le ski en général déjà, puis déjà, le ski amateur, plus qu'amateur encore, euh, c'est vraiment le fun de, de, de venir parler de ça. Oui, ouais, ah, ben, merci, 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 merci. Il nous me lance des fleurs. Ouais, oui, mais, oui, mais puis en plus, mais tu m'amènes à. Moi, j'avais une question que je veux poser à toutes les invités qu'on va recevoir du monde du ski alpin. Comment tu... Je sais qu'il y a beaucoup de sports là, qui n'ont qui, qui pas assez, je trouve, de, de visibilité, mais comment tu trouves ça, le fait que, mettons, dans le Journal de Montréal ou dans, dans la presse ou whatever, ou dans les, dans les grands médias, on accorde une place dans, dans, comme minime au niveau du ski quand on a quand même du monde qui performe au niveau mondial, au niveau régional, au niveau euh, provincial, au niveau euh, national, je veux dire. Comment, ouais. comment toi, tu trouves ça? Tu comprends ce que je veux dire? Tu -tu? Ouais, ouais, non, vraiment, euh, mais je suis quand même assez objectif là-dessus. Tu sais, étant quelqu'un qui pratique beaucoup de sport, puis ouais. on le sait, Étienne, tu sais, j'aime beaucoup le hockey. Ouais, je sais que t'es un, ouais, <laughs> un grand fan de hockey, <laughs> c'est vrai. J'aime beaucoup le hockey, donc je comprends la place que le Canadien de Montréal, euh, justement, prend à Montréal, au Québec, euh, tout ça. Euh, c'est un sport qui manque énormément de visibilité, là, c'est certain. Puis euh, c'est comprenable, il y a pas beaucoup de monde qui met de l'argent au Québec là-dessus en ce moment. Ouais, Puis c'est pas payant. Euh, c'est pas payant. Pour les chaînes de pas, diffuser du ski. C'est pas payant. Puis euh, on parle de Coupe du Monde, euh, qui est euh, des games de, de NHL, de LNH, là, si ouais. on veut. Ouais, c'est la Ligue le, nationale. Le là. Ouais, complètement. Puis ils sont même pas diffusés euh, au Canada. Donc, euh, c'est dur pour les, euh, les, les résidents au Canada, de, dans le fond, d'encourager leur équipe quand ils peuvent même pas les voir. Quand ils savent même pas que c'est là, ouais, c'est ça, complètement. c'est des, des euh, sites malheureusement illégaux, quasiment, qu'on qu prend pour ouais, garder faut que tu là. les streams. <laughs> ouais c'est ça. Ils les stream ouais. complètement. Pis, euh... non, ouais, OK. Ouais. Mais, euh, ouais. Euh, si je peux me permettre, Lambert, euh, donc... C'est le premier invité qu'on reçoit sur le podcast de La Presse qui Show. On est, on est excité. On est comme <laughs> « on on une personne de plus à parler. » On n'a plus besoin de regarder Boris et Étienne droit dans les yeux. <laughs> oh non, mais finalement, tu sors de l'ombre. Exactement. Non, mais moi, moi, je ne suis, je suis plus dans l'ombre. Moi, c'est ouais, mon coming out. Non, je suis sorti ouais. du, euh, du gros placard. Complètement. Là, du placard à caméra. <laughs> mais mais euh... Moi, je suis un grand fan justement, Hubert, depuis le début. Je tiens à le dire. Euh, le travail derrière la caméra était impeccable. Merci beaucoup, moi, euh, Lambert. Mais euh, non, c'est ça que je voulais. Tu m'amènes à mon point... Euh, c'est un très beau pont que tu fais là, là, de San Francisco, le Golden Gate. Oui, oui, oui. C'est vraiment. Lambert est un des grands fans du ski show. Il nous supporte depuis jour 1. Et euh, on, est, on est vraiment fiers que tu sois ici avec nous parce que justement, on, on sait que tu es, es un vrai, es le, les valeurs à bonne place. <laughs> tu le ski show, donc écoute, c'est une recette gagnante. Ouais. Donc moi, j'aimerais ça te lancer, Lambert. J'aimerais ça que tu, tu me parles un peu pour les gens à la maison. Là, ils sont comme oh, Lambert. Mais qui est Lambert? Ouais. Mais Alors moi, je te demanderais pour les personnes qui ne te connaissent pas à la maison, ouais. qui nous écoutent, euh, qui es-tu? C'est quoi ton, ton rapport? ton lien avec le ski alpin, où ça a commencé, euh, et c'est quoi un peu ton histoire par rapport ouais. à ça. Donc, euh, tu, tu sais, un peu l'histoire le, le, de, 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 de la première, euh, la première BD là, de Spider-Man, comment ouais, il s'est fait piquer, ouais, C'est une Première question, tu sais Lambert, euh, c'est quand que tu as commencé le ski, ouais, ben, tu sais, comment ça a commencé cette affaire-là de ta naissance ouais. à, euh, mettons, au, du début où tu as commencé à ouais. faire de la compétition, ouais. what's up? Tes parents, est-ce qu'ils faisaient du ski? Écoutez, euh, moi, je suis un gars qui vient de Montréal à la base. Le, le, on s'entend que la plus grosse montagne qui est ici, c'est le Mont-Royal. Euh, juste euh... skier. Non, je <laughs> suis <lever> la main. <laughs> ouais. Mais euh, non, j'ai pas eu la chance moi, de skier. Euh, Puis euh, justement, c'est <laughs> un des, des, des grands projets que j'avais en tête d'aider de, 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 de quelque manière possible que ça revienne, ce Mont-Royal-là. Euh, mais non, euh, j'ai commencé moi euh, à Gabriel, au Mont Gabriel, euh, dans les euh, dans les quatre ans environ. Je peux, peux me rappelle pas de la première <laughs> fois que j'ai mis les skis. puis il y a la belle histoire de Cendrillon que tu oh, ouais. faisait beau et ouais c'est ça. J'ai commencé <laughs> la compétition le premier jour. Mais non, euh, j'ai commencé en ski avec mes parents. Ils me faisaient m'ont mis dans des cours du samedi, tu Puis là, ah ben, Lambert, il aime ça. Puis samedi dimanche, bon on commence samedi dimanche. Je me promène dans Saint-Sauveur, Olympia. Je me souviens, les. les. les... On n'avait pas de chalet dans le temps, tu sais. Puis, je faisais, je finissais mes cours. Puis là, Mais est-ce je... que toi, tu es un gars de, des Laurentides? Non, tu viens de dire que tu étais à Montréal. Ouais. Donc vous, avez, ouais. vous faisiez le voyagement au début. C'était le voyagement. Puis qu'est-ce qui était le fun? Moi, tu vois, aujourd'hui, on est, on est l'Halloween. Puis on my way back home, là, de, le retour à la maison, je me souviens, ma mère avec sa petite boîte de, de barre au chocolat, le classique, ouais. Aéro, Kit Kat, ouais, ouais, ben Coffee ouais. Crisp, là. Ouais, ouais. ma mère, pff, ça, sa ça. Ah. ça tu vois, c'était des, bon, des, bon, des bons souvenirs, mais euh, ouais c'est ça, fait que j'ai commencé à Olympia, Gabriel, puis après ça je suis allé à Saint-Sauveur, okay. euh, où qu'on a eu notre premier chalet. Ouais parce que tes parents... Avant, mettons que tu arrives parce que tu as un frère plus grand. J'ai deux frères. Okay. Deux frères bon, voilà, plus Je suis au courant. Mais, au gars, ça fait combien de temps qu'on se <laughs> <Ouais, voilà. rire> connaît? On Mais, ouais. Okay. Est-ce que, genre, ça a-tu ça toujours fait partie comme un peu de comme c'était une sortie, comme OK, à chaque année, on va faire genre une couple de journées de ski? C'est quand, quand Parce que je sais que tu as un des frères qui, était mon... qui est moniteur. Oui, mes deux frères ont été moniteurs. Dans le fond, mon frère a été moniteur en snow, lui. Marc. Non, c'est pas bon, vrai, ouais, vrai tous les sports d'hiver, on aime ça, les gens. aller sortir. ouais, ça, c'est Mais. Puis ouais. c'est à Gabriel Non, ça, il était à Saint-Sauveur. C'était okay. en même temps de notre premier chalet. Eux, ils ont commencé okay, okay. à skier un peu comme moi, le samedi, puis samedi, dimanche. Puis quand vous êtes déplacés à Saint-Sauveur, ils, ils ont commencé à, euh, à faire du ski, euh, du chasse-neige, puis ouais. du, du, ouais. du ouais. Ça, t'avais comme quel âge <laughs> au premier chalet à Saint-Sauveur Environ euh, 4-5 ans. OK. 4, okay. 5. Ça, ça a déboulé ouais. vite là ouais, on okay, va mais je commence samedi dimanche puis là oh, tu sais il y a tout le temps des petites courses là, avec des petites euh, des petits froufrous là à terre, ouais, là, tu ouais. fais un avec parcours, la mascotte qui est là puis tu okay. rien, ouais, dire, ouais. Es ouais. en ligne droite le parcours ouais, là, complètement puis j'arrivais le premier j'arrivais en bas le premier ouais. fait que là euh, moi j'étais heureux puis euh, mon moniteur dans le temps ah, tu veux-tu faire la pré-compétition, pis tout ça puis j'étais bien euh, je parlais de ça à mes parents. Là, mes parents ont dit tu veux souvent de la pré-compétition. Mes parents, mon père, là, on, en ce moment, je pense que ça fait trois ans qu'il a pas. Trois ans, puis je suis vraiment euh, modeste. Ouais, C'est ça, comme ça. fait peut-être cinq ans qu'il n'a pas mis des skis, là. Okay. Ah ben ouais. euh, il n'aime pas ça. Il aime ça, le ski de chalet. Il, ça ouais. lui fait plaisir de, de, de m'aider comme il peut là-dedans. Mais ma mère est plus skieuse, fait que c'était plus avec ma mère que je skiais. Mais. Euh, <coughs> Ouais, donc ça commençait avec la petite pré-compétition. Finalement, je suis allé en pré-compétition. Puis là, encore en pré-compétition, tu des petites courses. Puis moi, dans le fond, le plaisir, c'était vraiment d'aller vite dans ce temps-là. C'était fait recruter. Les recruteurs sont venus te voir, sont comme Et Monsieur chers ouais. euh, S'il vous plaît, euh, venez vous asseoir ici, ça. on a quelques mots à vous Clairement, dire. Clairement, c'était très sérieux à 6 <laughs> ouais. ans. J'avais de la pression. Restons calables, oh, tu vas oh, mais... avec des hommes. On oh, va signer le ouais. contrat tout de suite. Oh, ben, non, ça. Les gérants, maman, papa, ils faisaient ça pour moi. <laughs> c'est ça. <laughs> mais ouais, c'est ça. J'ai commencé pré-compétition, puis j'ai fait des petites courses. Puis là, Colin, ça allait bien, ça allait bien. Puis on continue le processus finalement. Euh, fait que là, vers 6 ans, okay, j'ai peut-être commencé à 4 ans, vers 6, 7 ans, 7 euh, ans, je pense, que j'ai commencé la compétition avec le Mont Saint-Sauveur. Euh, puis euh, écoute, euh, après de, 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 de ce temps-là, j'ai monté, j'ai gravi les échelons. Puis euh, je suis là, je suis rendu à 22 ans. puis... Euh, toujours dans la compétition. Dernière année de ski alpin avec l'Université de Montréal. Là, mais à partir de là, j'ai fait Saint-Sauveur. Tu montré... as fait ça combien d'années à peu fait près? J'ai fait ça jusqu'à 10 ans okay. environ, 10-11 ans, euh... puis après ça, je... 10-12 ans peut-être, puis après ça, je suis montré dans la division Laurentienne de ski. Ouais, la, dé... la, 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 la EDLS. La EDLS. Puis, euh, puis, y a à l'époque, sur... des... ouais. sur... c'était-tu la EDLS aussi? Non, c'est la DLS. C'est ça, change... ça, ça, mettre un peu d'élite de, de, là-dedans. De... Équipe. Équipe ah, c élite. C'est ça, le, le E, c'est élite ou équipe? Je sais pas, mais... Si je pense que c'est l'équipe. C'est l'équipe okay. élite de la division Laurentienne de ski. E -E DLS. Donc, <laughs> on change ça, nous autres. On... <laughs> pour, pour ceux qui ne connaissent pas ça, dans le fond, la, la plupart, pas toutes les régions, mais la plupart des régions au Québec ont des, des équipes euh, de haut niveau ouais. qui vont se promener de montagne en montagne puis qui vont s'entraîner justement dans toute la région puis qui vont représenter euh, la région. C'est souvent les meilleurs athlètes de la région qui vont être dans ces équipes-là. Ouais. Euh, je sais, puis c'est des, des très grosses équipes, c'est beaucoup, beaucoup d'entraînement, mais dès un très jeune âge, là, ouais. euh, ouais, c'est ouais, ouais, ça Non, mais c'est ça. D'ailleurs, là-dessus, c'était quoi, à peu près, l'entraînement à l'époque euh, de la... De la Il ben, e -E faut dire euh, d'abord aussi que, euh, pour que le monde comprenne comment ça marche, un peu le scalping, au niveau, quand tu es dans les montagnes, au début, les courses, comment ça se passe, la compétition, c'est entre deux, trois montagnes. C'est les montagnes, tu du coin, là. Du coin, C'est Olympia, c'est Gabriel, c'est Habitant, dans le temps, quand j'étais à Saint-Sauveur. Puis, tu avais d'autres séries de courses qui se passaient contre les rivaux de l'époque. Tremble. Ouais, le Tremblant Saint-Sauveur qui est encore ouais, vraiment rival. Les grosses montagnes, exactement. Ouais, les grosses montagnes. Euh, donc, euh, Tremblant, eux, compétitionnaient contre Mont Blanc, contre oh Grey oui, Rocks. Yeah. Euh, on se souvient. Oui, voilà. Nous autres, on le skie on dirait ça à nos ouais. enfants. Oui, ouais, euh, ouais, donc, euh, c'est ça. Ça a commencé comme ça, puis après ça, des fois, tu dans ce parcours-là de montagne, t'as une course qui regroupe toutes les montagnes de la région. Ouais, puis là ça c'est ça c'est la un, course, c'est un show là. là, tu ouais, t'es ouais. préparé puis tout ça. Mais bon, ouais. fait que là après ça tu montes dans la EDLS qui est l'équipe de région de la, euh, des Laurentides. Puis pour, pour que les gens aussi comprennent, t'as l'équipe de région de l'Estrie, des cantons de l'Est. Ouais. Euh, puis t'as celle de Québec. Puis t'as celle de l'Outaouais. C'est pas mal ça, les quatre, les quatre grandes au Québec. Mm -hmm. euh, puis rendu là quand tu compétitionnes en... Dans le fond, tu vas compétition, tu vas compétitionner entre euh, pas mal euh, équipes euh, élites, si on veut. Oui, bien tu sais, mettons, parce que tu as, as une saison régulière, là, un peu comme si, si je peux faire la référence avec mm -hmm. Mettons le hockey, ouais. tu as une saison régulière qui, elle, va se passer dans ta région. Mm -hmm. Puis après ça, as comme les, si on veut, les, les playoffs. Donc, tu as les provinciaux, donc là, ouais. c'est tout le Québec, toutes les meilleurs du Québec qui sont, qui sont qualifiés, ils vont se ramasser De ensemble. De chaque région se Oui, exactement. Puis là, c ça se passe à une montagne, whatever laquelle, et il euh, y a des courses. Puis là, tu, tu te bats contre les meilleurs du Québec. Fait que là, ouais. t'as vraiment une idée au niveau québécois, tu te trouves où, tu sais. Ouais. Après ça, les meilleurs de ça s'en vont dans des championnats canadiens. Donc, ouais. même affaire, mais au niveau canadien. Mm -hmm. Puis maintenant, petite variante, t'as des, c'est ce qu'ils appelle des can donc Est des États-Unis et S du Canada ouais. vont se battre contre. L'Ouest des États-Unis, l'Ouest du Canada vont se battre contre. Donc, t'as comme deux canam am puis, en tout cas, c'est très compliqué, là, les... mais c'est ça. Puis là, après ça, là-dedans, dans les meilleurs à l'époque de Lambert, ouais. les meilleurs des Canadiens s'en allaient à une course qui s'appelait la Whistler Cup. Ouais. Puis ça, c'était. Euh... Ben, nous. C'est une invitation, cette course-là? C'est une invitation. Dans le fond, euh, je ne me souviens pas des, 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 des quotas directs là, de combien. Non, c'est ça. Je sais que je pense que tu gagnais une course au championnat canadien. Tu étais déjà éligible à aller à la, à la Whistler Cup. Ouais. Euh, là, il s'agissait de savoir, dans le fond, euh, il y avait une équipe canadienne qui, se formait, qui était formée, dans le fond, à la Whistler Cup. Ouais. Tu avais des, des équipes invitées des, des, des provinces. Oui, c'est ça. Euh, donc, le Québec envoyait peut-être 10 coureurs, euh, 5 gars, 5 filles pour représenter le Québec. Puis des fois, euh, tu sais... Ah, puis t'avais des... des Américains qui étaient là, il y avait des Européens, qui, Européens qui, 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 viennent, qui venaient. Oui, ouais, c'est ça. C'était vraiment une course qui rassemblait quand même beaucoup de monde, de bien des places, puis c'était quand même un calibre très, très élevé. Là, fou Dans fou. le temps, il y avait deux coupes, deux, euh, deux championnats du monde, là, quand on était jeune. Ouais. vraiment. Il y a la Topolino qui se passe en Italie, euh, que beaucoup d'Européens sur la Côte-du-Monde ont déjà gagné. Puis, tu as la Whistler Cup que beaucoup de Nord-Américains ont gagné. Nord c'est comme un peu l'équivalent en Amérique. En Amérique. Ouais, On va être honnête, c'est moins fort. Ben oui, parce que y a moins de fort. monde. Ouais. Je veux dire, le, le ouais. bassin est moins là. Mais ouais. c'est à peu près le même genre de, 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 ouais. de course. exactement. Ouais. Si je peux revenir à la EDLS ouais. pour revenir ouais. là-dessus. Euh, quand tu coursais avec saint j'imagine que c'était juste les week-ends. Mm -hmm. Puis, quand tu commences dans une équipe élite, est-ce que tu fais ouais. juste les week-ends ou… Ouais. Ou si tu vas à tes en semaine? C'est ouais, là? Que, euh, écoute, à quoi? 13-14 ans, j'ai vu un peu une blame À l'époque. K2. Exactement, à l'époque. 2 qui est... eu, qui est eu euh, 15. 15, donc, donc euh, 13-14. À 13-14 ouais. ans, ta vie eu un virage. Là. Quand tu rentres sur une équipe élite, là, je me souviens encore le rêve quand tu étais en. Dans... Il y a beaucoup de steps qu'on va faire aujourd'hui, mais le, le rêve quand moi, j'étais euh, euh, avec Saint-Sauveur c'était de rentrer dans la DLS, c'est mm -hmm. un étape à la fois, puis c'était d'avoir le manteau rouge la DLS. ouais, ouais parce qu'il faut le dire, l'équipe de la DLS, leur couleur, c'est rouge, puis à l'époque, c'était pants rouges, manteau rouge, puis oh right. flashaient, puis ah il arrivait... Ouais. Skin saut rouge. ouais puis il, il, il arrivait dans les courses, puis tu sais c'était le seul club qui avait toutes les mêmes skin suit qui avait toutes les mêmes affaires puis c'était big. Ils arrivaient ouais, ouais. en van ensemble tu sais, moi c'était mon père qui venait me porter pis tu sais. puis je voyais la timidant. gang avec la van de la EDLS, ah, sortaient ouais. leurs skis ensemble il y avait la like big c'est les... intimidant Go timidant, remember ouais. the name ouais. qui ouais. joue dans ouais. van puis tu sais ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était peur, hein, ah, ouais. <laughs> peur mais, mais c'est vrai que dans le temps là c'est intimidant tu es 13, oui. 13 14 tout ton but c'est de gagner euh, ton corps change, t'es plein de boutons, t'as déjà pas confiance en toi. Ouais, non, là, il y a eux autres qui arrivent, faut que t'aies l'air comme si de rien n'était. Ouais, ouais, C'était quand même, c'est ça. Juste les voir t'sais, skier là, t'sais, quasiment ensemble, là, tu vois du rouge en piste. Moi, je me souviens encore, j'ai la vision à Saint-Sauveur dans la 68. <rire> <rire> yes. Dans la 60, yes! Dans la 68, je les vois encore skier. Puis je dis, hey, Colin, moi, je vais me rendre là, t'sais, je, vais être dans, je vais être dans DLS. Là, mais oui, ça change énormément le niveau. Euh, euh, nombre de skis, dès que tu rentres là, tu as déjà les camps d'été. Mm -hmm. euh, donc là, c'est là que ça part. T'sais, ta saison à part de course de euh, janvier, peut-être dans ce temps-là, à mm -hmm. mars, trois mois. Là, quand tu rentres là-dedans, dans DLS, boum, tu as au moins un camp. Pendant l'été de trois semaines. qui ouais, euh, dans le temps, c'était au Chili. Ah, oh, ça c'est. Fait c'est du gros voyagement là, en partant. À 13 Moi, c'est la première fois que j'avais pris l'avion. Ouais, euh... puis t'es sans tes parents, t'es avec une gang, ouais. de... que... t'es avec tes chums. T as toujours compétitionné contre eux. Ouais. Euh, mais sans réellement, tu à 12-13 ans, t'as pas nécessairement eu les relations euh, les plus proches avec eux encore. Donc, c'est encore des gens qui restent à connaître. Puis, euh, ben, tu t'en vas là-dedans, tu t'en vas dans ce beau, euh, beau parcours-là. Puis moi, je pense que c'est là que ça a commencé. Là. Moi, c'est dans les plus belles années de ma vie. Là, ça, là. Du voyagement es un peu euh, es tellement naïf encore à mm -hmm. cet âge-là que tu tu. Ouais, puis tu sais, c'est ça. Tu es avec des coachs. Ouais. Euh, tu as, as, as tes partners qui sont tes d'autres jeunes qui sont avec toi. Vu ouais. l'équipe, là, puis tu pars avec ça trois semaines sans ouais. faire du ski. C'est épuisant, c'est des ouais. grosses journées. Je, je veux juste fait. rétablir, un, parce que toute ma vie, je suis encore à 22 ans, je l'ai encore sur le cœur. Tout le monde qui me dit, hey, bonnes vacances. Bonne, oh oui, c'est vrai vacances. C'est vrai que ça, le monde porte, porte ce, ce jugement-là, c'est vraiment. Ouais. Tu sais, euh, repose-toi bien, puis il y a du fun pendant que nous, on, on, mm. on, justement en été, beaucoup de monde travaille, puis est à l'école. Oui, oui. Même, ça, même, même, à, même à, monde... pendant les classes, tu sais, hey, ciao. Ah, t'es chanceux, t'es en bonne vacances. Tu Donc, vas manquer trois semaines d'école ouais. que tu vas devoir rattraper par ouais, toi-même. C'est ça. Ouais. Euh, <laughs> puis euh, mentionner dans ces trois semaines-là que tu as peut-être une journée de repos. Puis cette journée de repos-là est souvent faite pour que tu aies un entraînement hors piste aussi. Mm -hmm. Donc, dans le fond, un, un, pendant, pendant l'été, comment ça se passe? Là, mettons au Chili, c'est que tu skis euh, de 7 h le matin à. Euh, moi, je me souviens, j'avais un coach qui était rigoureux. Salut à Francis Bro, s'il nous écoute, ouais. euh, qui est une légende et que j'ai ai, ai, ouais. bien aimé, euh, que j'ai tellement eu besoin de lui dans ce temps-là. Justement, un coach vraiment rigoureux. Euh, Puis on comptait les runs avec Frank puis compter les runs là, quand tu 13-14 ans puis fait, ça fait 50 runs que tu fais 50 runs c'est énorme dans une journée c'est ouais, ouais, parce énorme. que c'est ça le nombre de runs c'était pas comme quand on fait 4 runs on rentre en arbre en un non. chocolat chaud c'est pas ça là. non non c'est du ski ouais. de 7h euh, euh, à euh, midi de une heure de break puis tu repars de 1h à 4h. Puis il faut s'entendre, l'heure de break, c'est on regarde des vidéos, on parle de ce qui ne marche pas. <laughs> oui, exactement. Fait que ça ça arrête pas, vraiment jamais. C'est intense. Puis plus tu montes, plus c'est intense. Là, tu as encore as à faire tes skis. Il faut que tu aiguilles pour le lendemain. faut que tu les cires. faut que tu les potes la cire, que tu brosses. faut vraiment que tu les entretiennes. Puis souvent, dans ce temps-là aussi, tu avais un, un entraînement hors piste qui durait environ 30 à 1h. Ouais. Donc là... Là, t'es rendu au souper, t'es un peu fatigué, on s'entend, là, es oui. rendu à, après, à 5 Après, après ces jours consécutifs, Ouais. Fait que là, t'as une heure de souper, t'es chanceux, tu respires un peu, parce que tu parles, dans le fond, des entraînements que t'as eu tout ça encore. <laughs> C'est que ça, ouais. Puis euh, après ça, t'as une heure de séance vidéo, quasiment, là, avec ton coach. Puis après ça, si t'es chanceux, t'es assez fatigué pour aller te coucher. Puis là, tu parles de les camps et tout comme ça, puis grosso modo, de passer d'une équipe... Euh, de Saint-Sauveur à la EDS, combien de jours tu mettais à mettons sur ski quand tu étais à Saint-Sauveur versus combien de jours tu mettais sur ski j... avec les camps et tout, avec la EDS, j'imagine c'est vraiment pas le même, non. tu passais de 45 jours à comme 100 ouais, quelques ouais. journées. Là. Ouais vraiment là tu, tu, tu le sais, dans le fond tu, tu, commences, ouais. en, tu commences en décembre, ouais. euh, quand la première neige part, puis je pense que les cours commencent dans ce temps-là. Là. Euh de compétition. Moi, peut-être que je faisais l'extra. Je me souviens au primaire, euh, j'allais le je à le, ça, le ouais. vendredi soir. Je me souviens pas c'était quoi. Hein. Il y avait un nom ouais. euh, qu'on qu qu faisait. Le programme plus. Ouais. Plus, plus, quelque chose. <laughs> mais c'est. Ouais, mais c est, c est ça. Fait que ça te donne à peu près une saison de 50 jours. -ish. Environ. Ouais. Mais dans le fond, chaque fin de semaine, euh, pendant la saison d'hiver, qui est trois ouais. mois, quatre mois là, au Québec, là, tu sais. Mm -hmm. euh, fait que c'était ça. Puis là, après ça, tu passes à. Quand d'été dirait quand, Mettons, tu montes, là, tu viens de finir ta saison de Saint-Sauveur en, en mars. Là, tu pars dans ADLS. Ils t'ont recruté parce que tu as un camp d'entraînement de, 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 à faire, puis un camp de recrutement, puis tout ça. Puis là, tu pars dans, dans leur premier camp, qui est en, je pense, en juillet, là, quelque chose comme ouais. ça. Tu skis, là, tu, skis, là, tu skis le trois semaines, puis après ça, dans le fond, tu t'entraînes toute l'été avec eux autres. Je me souviens, on avait plein de camps dans Laurentides ensemble euh, hors piste. Puis j'imagine, tu sais, ça doit. Ça doit être une immense marche à monter de quand tu, tu passes de ce de l'équipe de, de montagne à l'équipe de région comme ça. De, de, C'est une immense marche. puis Ça n'a pas dû être ouais. comme du jour au lendemain. C'est comme assez cool. Ouais. Mais après une année, tu dois être assez épuisé. Là. Ouais. Écoute, euh, moi, c'était pas un, un reality check. Là, euh, je, je, euh, humblement, ça allait bien pour moi dans les montagnes au début. Euh, Bien que je gagnais pas mal tout, tout, tout euh, avant que je rentre dans, dans DLS. Ouais. Puis euh, tu rentres là, puis euh, je pense pas que j'ai la même maturité, zéro, la même maturité dans le fond, que quand j'étais là. Puis je suis arrivé là, tu sais, puis euh, on m'a quand même rentré dedans assez solide en partant pour juste essayer de me casser puis me dire, euh, dans le fond, euh, écoute, là, ça va pas être toujours de même, là. tu vas pas gagner. Euh, tout le temps jusqu'à la fin de ta vie, t'es mieux ouais. de commencer à travailler, c'est pas ça la vraie vie non, <laughs> non ouais, t'es <laughs> mieux de commencer à travailler, en partant, puis te donner plus que tout le monde, puis là tu vas vraiment te donner des vraies chances. Puis je, remerc je remercie mes coachs. Encore, je me vois à, à tremblant à, dans un entraînement physique. Puis c'était Elise alors que euh, je suis sur les réseaux sociaux, on se parle plus vraiment, mais euh, que j'ai bien aimé. Euh, salut, on l'a salué. Salut, Eloïse, ouais. euh, qui m'avait dit ça, puis je lui en remercie dans le fond. Euh, ça m'a vraiment, euh, vraiment frappé. Ça m'a aidé. Oui, parce que j'imagine, tu sais, quand tu passes d'un circuit, du moins en tant qu'athlète, quand tu passes de... Tu gagnes toutes les courses, à, à, tu performes, tu performes, tu performes. Tu, tu viens tu développes <coughs> une certaine confiance en tes habiletés. Puis là, tu te retrouves à un événement, un plus gros événement de ski, puisque là, tu ne courses pas nécessairement contre les mêmes gens à qui tu courses comme d'habitude. Tu arrives là mentalement comme étant le gros gars, tu que tu vas gagner. Puis ouais, ouais. là c'est euh, le reality check quand tu te prends un compte de bombe puis là tu te réalises que hey, finalement je suis peut-être le meilleur dans ma région mais j'ai encore des croûtes à manger pour aller rattraper les gars ou les filles qui sont en avant. L'avantage par exemple qu'on a dans les Laurentides, c'est que habituellement quand es des meilleurs des Laurentides, des gros chances de des meilleurs de, 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 au Québec, t'sais. Parce qu'on est, on est on est la région qui a le plus de monde. On est la région habituellement qui est la plus forte dessus, je ne sais pas trop combien d'années, parce qu'à chaque fin de, de, de championnat provinciaux, il, il désigne une, une région gagnante là, qui a fait le plus de points puis tout ça. Tout le temps le qui gagne. Un parce ouais. qu'on est 5 millions là, si on est, ouais. par rapport aux autres, C'est fou comme on est plus. Deuxièmement. De, Mais il faut le dire, dire bon parce que bon. le voyagement de les montagnes aussi se fait assez facilement. C'est facile de, de faire deux pôles, mettons, à, à Tremblant et à Saint-Sauveur, prendre deux vannes là. Ouais. Puis euh, se promener puis se rejoindre à une montagne. Tandis que peut-être à Québec, c'est un peu plus stuff, il y a un peu plus de distance entre les montagnes. Puis c'est aussi plus proche de la ville aussi. C'est plus Montréal, proche. Exactement. C'est plus proche de la ville. Euh, ben, c est, c est, ça dépend. ça dépend quand même. Euh, ah, Québec, ouais c'est moins. Que, populaire ouais, parce que Québec, est Québec, Québec ouais. proche le monde. maintenant Mont, il mettons, est tapoté, y a lui. plus de monde à Montréal. Ouais. Ben oui, mais c'est automatiquement plus. Exactement. Puis il y a plus de montagnes dans en titre dans toutes les autres régions. L'Estrie, il y en a 3-4. Québec, même affaire. Ottawa à peu près les mêmes choses. on a 10. Ouais. 10-11, sans compter la Naudière qui est inclus dans notre, dans notre région en plus, fait que tu on est comme quatre fois plus que tout le monde c'est ouais. sûr, sûr que ça vient avec là. Puis Lambert, on ouais. en a parlé un peu tout à l'heure mais l'école, comment ouais. ça a dû faire un petit genre un petit choc, ouais. passer à une équipe élite ouais. de même, comment t'as géré ça c'était comment l'école? Euh, pour moi l'école ça, ça a toujours été une priorité ça a toujours été une priorité pour mes parents puis comme j'ai l'ai dit au début, je suis un gars de Montréal euh, le monde qui vient du ski, ben pas normalement, mais je vais dire la majorité, viennent d'une région, euh, dans le fond, de la, de la banlieue, qui viennent de la rive nord ou soit de la rive sud, qui vont aller skier d'un canton de l'Est. Euh, la rive nord va rester, dans le fond, dans, dans les Laurentides. Mais moi, je suis un gars de Montréal, puis je me suis toujours, euh, j'ai fait, toujours fait plein de sports euh, autres que le ski, puis euh, toujours diversifié aussi avec l'école. Puis l'école, ça m'a toujours. Justement, on parlait de vacances tantôt quand j'allais en ski. Moi, mes vacances, c'était quand j'étais à l'école. ouais parce que t'étais-tu bon à l'école? Je suis à l'aise, je suis bien. Je me débrouille vraiment bien. j'ai pas vraiment besoin de, 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 de temps supplémentaire pour reprendre mes choses. Euh, je me suis développé une technique de, depuis le primaire. Euh, j'ai adoré mon école primaire. J'étais toujours bien encadré dans toutes les écoles euh, que j'ai été. Mais euh, ça a toujours été important. Ça a toujours pris une place importante. Puis... Euh, ben c'est ça. Dans le fond, j'ai jamais manqué une année d'école, même si je suis monté sur l'équipe canadienne, sur l'équipe du Québec, où tu fais environ 200 jours de ski par année. Là. 200 jours, 200, 300, là, quasiment. Tes seuls congés, c'est en Noël. Est-ce que tu étais dans un programme qui était adapté pour le sport, un programme ski études, ou tu étais juste dans un programme régulier à l'école, à mettons, secondaire? Euh, Avec... Au primaire, euh, je sais pas s'il y a vraiment des sports-études au primaire, mais mm -hmm. j'ai vraiment, vraiment été chanceux. Mais par exemple, on va aller dans, une, dans une bonne école euh, que, que, que... qui encourageait le sport et tout. Qui là. encourageait mm -hmm. le sport et qui encadrait vraiment ses élèves, euh, tout ça. Euh... Je t'en ai mentionné, Mon jésus marie oh, yes. euh, à Outremont. Ils doivent nous écouter d'ailleurs. Ouais, oui, salut. Euh, <laughs> sincèrement, je passe encore devant et j'ai euh, des beaux souvenirs qui reviennent. Mais euh, j'étais vraiment bien encadré. Puis euh, je pense que le truc à partir de là, c'est juste d'avoir une bonne communication avec tes professeurs. Puis de ne pas être gêné. Puis euh, leur dire écoute, je suis dans cette situation-là. Euh, J'aimerais ça. J'ai besoin de votre aide. J'aimerais ça que vous soyez avec moi. T'sais. Puis euh, normalement, ils ont été très compréhensifs peut-être. Euh. Oui, puis je veux dire, tu travaillais. T'sais, t'sais, ouais, ouais. Tu montrais, tu démontrais ouais. au professeur que tu voulais et que tu travaillais. Ouais, je... Si, si tu avais, si avais botché tes devoirs pendant que tu étais en camp, tu ne travaillais pas. Tu arrivais, ouais. arrivais en classe trois semaines en retard, c'est ouais. les autres. Le prof n'a pas envie de t'aider, tandis que toi, tu travaillais. Tu étais très motivé pis je pense que tu avais une discipline de travail ouais. assez extraordinaire. Là, je pense que, que c'est une des raisons pour lesquelles ça a fonctionné ouais. aussi bien. Pis ouais. En tout cas, c'est que tu étais très, très discipliné en tout ce que tu fais. Pis je te connais. Ouais. Pis Caroline, il est dur à suivre honnêtement là, dans son tout, tout est pas, pas que son horaire est très bien comme OK, je sais que de 10h30 à telle heure je fais ça. Non non, ouais. mais il sait qu'il faut qu'il étudie, il va étudier, tu sais. Ouais. Il est pas influençable lui. Mais je pense ouais. que c'est ça vu que étant... mais je fais aussi beaucoup de sport ouais. quand je... étant jeune. Ouais. Peut-être pas ouais. au même niveau que toi, là, mais ça t'aide beaucoup à t'organiser. Vrai, oui, vraiment, ça Vraiment. Faisant beaucoup de sport avec l'école et tout, gérer tout ça, c'est, ça aide vraiment beaucoup. Tu puis... sais, je suis au HEC en ce moment, puis euh, la, la mode au HEC, puis qu'est-ce qu'on voit dans les journaux, c'est le monde qui vont utiliser euh, des pilules pour se concentrer, euh, qui vont rester à la bibliothèque pendant 7, 8 heures, tout ça sans ouais. étudier. Je le sais clairement que je suis pas capable d'étudier 8 heures. C'est impossible ah. pour moi. Il faut que j'étudie 45 minutes, après ça, je suis déconcentré, je m'en vais prendre une marche, euh, j'écoute une émission, je, je sais exactement comment mon corps réagit, comment mm -hmm. je, genre, je pense, comment je me concentre. Puis ça, je pense que ça a beaucoup à faire avec le sport, avec des situations que je me suis remis en question, type j'ai fait Ok, bon, qu'est-ce qui a pas marché, euh, ce run-là? Ah, J'étais-tu concentré de cette partie-là à cette partie-là, qu'est-ce je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi à, à diversifier avec les différents sports puis avec l'école. Euh, mais oui, l'école, ça, ça, ça a pris une shot. Ça a pris beaucoup de shot. Euh, la DLS, là, tu commences à manquer les, les, les vendredis, les jeudis-vendredis souvent. Euh, Jeudi-vendredi, puis là, tu as tes entraînements, tu as les courses le samedi-dimanche. Ouais. Parce que, il faut dire, les courses sont le samedi-dimanche, mais pour t'entraîner pour les courses, il faut que tu skis pendant la semaine pour que tu sois prêt rendu aux courses. Fait que des fois, c'est tu pars des semaines, t'es des camps peut-être à Québec euh, ou des pistes plus longues pour pratiquer des, des disciplines différentes comme le slam géant. Euh, donc ouais, je manquais beaucoup d'école puis euh, j'en manque encore. Fait que c'est ouais, ouais, ça, que mais ouais. Puis en fait, pis ça m'amène à... OK, fait que là, la DLS, ouais. là, ça continue. Tu fais ça pendant à peu près quoi, quatre ans? J'ai fait trois ans fait OK, t'as fait deux donc, ans. Donc K2 puis la première année, fils. Okay. Donc, trois ans. Trois ans. Ouais. Là, après ça, arrive euh, l'équipe du Québec, ouais. qui est euh, l'équipe, en fait, provinciale euh, d'élite. Ouais. La même chose que euh, la DLS, sauf qu'au niveau provincial. Ouais. Ça, comment c'est arrivé? C'est juste un, c un, peu, c un truc de, de repêchage, en ouais. fait. Tu fais tes classes. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est là, on parle de manteau rouge, la DLS. Yes. L'autre rêve qui embarque. C'est quoi le, la prochaine marche? Ben, la prochaine marche, c'est l'équipe du Québec. L'équipe du Québec, c'est les, les manteaux bleus. Dans le temps, ouais. c'était les, ah, ouais, ouais. <laughs> ben, le les manteaux jaunes. Maintenant, ils sont couleur ski chaud. Oui, c'est vrai que maintenant, ils sont jaunes, mais ouais. Ben, mon prochain step, c'est les manteaux jaunes. C'est le ski chaud. C'est le manteau du la... ski chaud. Ça, c'est euh, Je ne sais pas si je vais être à votre hauteur à un moment donné, là, mais je vous regarde avec passion. Mais, mais ouais. oui, dans le fond, après la DLS, moi, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait un an euh, la DLS. Euh, fils. Fils. Ouais. Euh, 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 notre, notre public le connaît, on avait déjà jasé, on le monde sont au courant hein gang yes vous êtes au courant <laughs> c'est là ma première année ouais. que j'ai fait les Jeux Olympiques Junior euh, ouais. que j'ai mmh. fait ça euh, à Innsbruck euh, en Autriche ok puis là je veux qu'on ok ça, ça je trouve ça quand même assez euh, ça me jette à terre là. je trouve ça quand même vraiment comme moi je sais non mais je c'est un rêve qui qui a pas été réalisé mais, <laughs> non mais qui <laughs> Ça, je veux que tu nous envoies de sortir que... des fausses cartes, Étienne. On va pouvoir le réaliser, ton rêve. C'est vrai, <laughs> vrai que ça va être c'est littéralement comme des Olympiques, sauf que avec des enfants. C'est la même affaire. C'est exactement la même. Avec des enfant. enfants, t'as quoi T'as 16. 16 ans. Ouais. T'as 16 ans. Dans le fond, c'est 18 ans et moins. Euh, tu peux... Je sais pas s'il y a une limite minimum. Là, mais... Ça doit dépendre des sports, mais en euh, tout cas, en fait, ski, ski c'est ça. As moi, je sais que c'était la première édition des Jeux Olympiques Juniors qui partait ça. Cette année-là, puis c'était euh, vraiment Malade d'Innsbruck qui ont déjà accueilli les Jeux olympiques. Um... On est dans un village d'athlètes, dans le fond. C'est ça. C'est euh, chaud d'ouverture, chaud de fermeture. Chaud d'ouverture, chaud de fermeture. Euh, tu es, es dans le village avec tous les athlètes. Euh, tu passes la sécurité comme si tu étais à l'aéroport à chaque fois que tu rentres dans le village. Euh, la ville vibre vraiment aux, aux Jeux Olympiques Générales. Puis j'imagine, tu as le temps parce que toi, tes courses, mettons, dans ton calendrier, tu sais que c'est tel jour, tel jour. Je pense deux semaines. Deux, comme, les, comme les Jeux Olympiques, deux yeah. semaines, trois semaines. Quand tu as des trous, tu peux aller voir d'autres sports aussi. Exactement. Fait que, euh, Exactement. Puis sincèrement, je suis encore en contact avec du monde que, qui font qui ont fait les jeux olympiques juniors dans le temps c'était malade là. Euh, en ski j'ai eu la chance euh, justement on a du monde dans le fond qui compétitionnait pour le Maroc euh, dans le temps les adam les Lama Lamamédi je te salue qui en ce moment pour le Rouge et Or puis que rivalité la, des carabins la oui. rivalité le, la grosse rivalité Montréal, Mais, euh, dans ce temps-là il y avait il y avait la rivalité on était en, on était en région lui était dans l'équipe de de la région de Québec, moi j'étais dans la région des Laurentides. Puis lui, il représentait le Maroc à ces Jeux Olympiques juniors-là. Puis Je me souviens la première course, c'était un super G, donc une épreuve de vitesse. Qui va quand même assez vite. T'sais. Puis euh, j'ai été ch assez chanceux de, 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 de participer à cette affaire-là, puis d'être témoin euh, de. La victoire d'Adam, dans le fond. Le premier, un, à euh, gagner une course aux Jeux olympiques juniors. Ouais. Le premier euh, d'un pays marocain à gagner euh, une médaille d'or. Ouais, J'imagine que la population de ski au Maroc... Doit pas être comme. Non, effectivement. Je pense qu'elle se résume à deux, trois. Ouais, c'est ça. On oh, l'a même dit, puis après ça, mettons <laughs> leurs parents. Je me en tout cas. Mais c'est que c'est ça. Mais mais non. Mais pour vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais. Fait que c'était. Je, je, je me souviens encore, je réchauffais les cuisses à Adam tu sais, avant sa course. Puis j'étais bien content. Puis, tu sais, ironiquement, tu dis, tu sais, bonne chance, mais entre moi et lui, on s'en allait. Lui et moi, on s'en allait à ça pour avoir du fun, les Jeux Olympiques Juniors, wow. ah, tu sais. C'est la première année fils, donc on compétitionne. Lui, il était un, un an plus vieux, mais on compétitionnait Genre du monde qui sont de calibre international qui sont en ce moment gagnent sur la Coupe sûr. du monde. Ouais, okay, ils ça. sont en train de gagner sur la Coupe du monde. Toi, ça avait-tu bien été? Moi, ça avait bien été. J'étais arrivé euh, top 15 euh, au monde. Ça, pour que le monde y <laughs> suive. C'est les Jeux olympiques. <laughs> ouais. ça. Okay. Euh, donc, euh, top 15, top 10. Euh, ça avait... Non, pas top 10. Top 15. On va y aller avec top 15. Okay. Top 10, non. C'était vraiment fort. Puis Adam, il avait gagné. Euh, super G, c'est une descente dans le fond. Il avait gagné en <laughs> descente, puis je suis arrivé en bas. Puis encore là, c'est vraiment sérieux. Tu as, as, as le contrôle des skis, mesure tes skis, voire sont toutes réglementaires, tes bottes, puis tout ça. T'as la ligne de presse aussi que tu passes après. Mm -hmm. Puis moi, je me suis encore, j'étais en train de me faire mesurer mes skis, mes bottes. Puis t'as mon bon vieux Adam. Je savais même pas qui avait gagné. Je venais de finir ma première j'étais. C'était capoté, ce run-là. Là. Je me souviens, là, des gros. C'est la première fois que tu rentres dans un jump, tu passes dans des petits couloirs d'arbres, dans... en dessous d'un tunnel, comme à Wengen, en Suisse. Ouais, C'est Je <laughs> hey, vois ça la première fois de ma vie. Tu arrives en bas, l'écran géant, les estrades. Une vraie Coupe du Monde. Là, quand tu 16 ans, es un kid. T'es encore un kid. J'étais malade. Je excité encore à en parler. J'avais le sou de l'équipe canadienne pour la, la première fois, comme du monde. J'étais avec une équipe de 4 skieurs. <laughs> J'arrive en bas, puis. Hey. Adam, il arrive, puis hey, j'ai gagné, puis tout ça. Hey, J'étais tellement content. Il me saute, <laughs> saute d'un bras. Tu sais, C'était ouais, des cinq, grosses cinq, émotions. C est, c est, un, le ski, c'est un sport qui est méga égoïste. Tu sais, t'entraînes en équipe, mais euh, j'ai trouvé que c'est un sport qui est vraiment égoïste. Puis beaucoup de monde vont penser à, à leur performance, puis c'est normal. Tu sais. Mais euh, moi, je pense que c'est à partir de là que j'ai com commencé à réellement apprécier le ski a réellement apprécié les, les, les performances des autres. Ouais. Euh, des mm -hmm. des tapes dans le dos, là, à partir de là, moi j'en ai donné parce que hey, je sais à quel point ça fait du bien. Puis à quel point c'est sportif d'encourager la performance de quelqu'un. Parce que oui, il y a des jours que ça va bien, mais il y a des jours que ça va pas bien. Puis ça va, ça va mieux pour quelqu'un d'autre. Ben oui. Pour moi, à partir de là, c'était vraiment important de. D'encourager euh, puis de, de, de mentionner les belles performances du monde. Là. Fait que ça, tu commences l'équipe du Québec avec ça. Là. Je ça. commence ben cas, après ça. Après cette année-là, euh, je suis monté sur Tremblant. Une année. Erreur. Erreur, ça n'a okay. pas bien été. L'équipe de transition là, ouais. qui était en fait Tremblant, pour mettre en contexte, c'était ça. C'était un club. C'était un, un groupe, groupe d'élite. C'était un groupe d'élite. À Tremblant. Oui, qui n'a pas fonctionné pas en tout Je pense qu'on skip déjà là. J'ai réussi à, 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 à sortir quelques performances qui m'ont fait. Avoir la chance d'avoir une invitation pour le, la sélection de l'équipe du Québec. Puis, euh, finalement, j'ai fait la sélection de l'équipe du Québec. Puis, c'était vraiment une, une, une année tough à Tremblant, là, une année perdue de ski, là, sans entrer dans tous les détails. Là, mais, euh, mais, mais, mais Tremblant était, est fantastique. C'était sincèrement une exception. Non, non, donc, mais, non mais, pour ouais, vrai, mais pour mais, mais c'est pas un, un puis, bashing. Puis, puis, on le sait qu'en ski, ben, dans n'importe quel sport, de quand ouais. même haut niveau, le, le côté mental est tellement important ouais. que quand tu perds une saison à te remettre en question à t'es ouais. pas sûr à là t'es d'un regret t'es ah mais là qu'est-ce qui se passe ça va-tu bien marcher quand même t'as un stress de plus c'est tellement pas c'est tellement pas nécessaire puis c'est tellement juste comme nuisible en Et fait t'as tellement pas besoin de ça non, non exactement puis okay, ouais. euh, justement euh, à partir de là comme j'ai dit je parle la sélection d'équipe du Québec puis euh, ils ont été assez gentils. Ouais, tu sais, j'ai quand même sorti des bonnes performances. Ouais, ben, je là, pense. Mais... Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas volé le spot, là, je pense qu'ils Je pense qu pas. J'ai ouais. fait mes classes. C'est ça. Et, euh, fait que j'ai fait, fait la sélection. Puis euh, finalement, j'ai été pris. Euh, puis sincèrement, si je peux, je le dis. Euh, puis comme, juste. Comment ça marche les sélections pour l'équipe du Québec? <coughs> -tu, donc, tu as dit, ils regardent les résultats, ils t'envoient une invitation, puis là, j'imagine, il y a un camp d'entraînement. Comment ouais, ouais, pense large. que C'est vraiment. C'est Cumbledore, comment Ouais, sur, Oui, Comme sors les, ah, ouais, ouais, tu sors les baguettes magiques. Puis, <laughs> euh, mais euh, tu sors les skis, puis c'était un, deux, trois jours. Je pense que dans le temps, c'était à Québec. Euh, je pense que c'était au Mont-Saint-Anne. Je ne me souviens pas clairement, là, mais. ouais, c'était avec les coachs de l'équipe du Québec. Puis dans le fond, ils voient comment tu évolues. Euh, dans, dans leur système, puis euh, dans quest ce qu'ils disent de faire là, pendant la journée, là, que ce soit hors piste, euh, en piste. Euh, puis, des, des puis eux, ce qu'ils recherchent, c'est plus des, des performances, c'est une attitude, un certain type de coureur, ou c'est comment tu évolues ça dans bien. le ski, comment tu t es, t es réceptif à, à travailler en équipe avec tout le reste de l'équipe. et ça va vraiment avec les coachs, dans le fond. Euh, Je pense pas j'ai jamais été coach. Euh, Puis j'ai jamais réellement parlé de ça avec mes coachs, de comment, pourquoi tu m'as pris moi, tu sais. Mais euh, ça va vraiment avec les coachs, leur philosophie. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Comment ils vont voir les ski, eux autres. Je sais que moi, rentrant sur l'équipe du Québec, c'était Chris Powers. Je le salue, Chris. Euh, Chris Je vais aller voir Chris pour faire mes bottes de ski encore. Euh, mais Chris, c'est quelqu'un qui est vraiment laid back. C'est un gars qui n'est pas stressé. Mais en tout cas, il laisse pas paraître qu'il est stressé. Puis, euh, c'est vraiment un gars qui est passionné pour le ski. Puis, dans le fond, euh, je pense que l'attitude pour lui, que tu te démontrais euh, dans ce temps-là, ton sérieux, mais tu es capable d'avoir du fun et tout ça, puis, euh, ça l'intéressait. C'est sûr qu'il y a un côté performance aussi que tu ne peux pas dénier de même si avec le, le, la philosophie que tu as. Mais non, puis juste pour ajouter à ça, le côté performance, techniquement, quand tu as été sélectionné, c'est parce que t'sais, t'sais, le monde, les coachs de l'équipe du Québec, là, dans office, sont tous à la même place, puis ils regardent tous les mêmes coureurs passer, ils connaissent déjà Lambert, puis ouais. déjà en début d'année, ils savent, ils savent c'est qui, puis ils ont une coupe de nom. Puis ils savent que okay, lui, euh, lui il, a, il a tout gagné en K2 ou U16, ou peu importe la catégorie, ouais. juste avant d'entrer fils. Pis là, il arrive, on s'est surveillé. C'est ça, tu, sais, tu fais ta Donc première, là, ta deuxième année fils, tu compétitionnes contre eux. Contre, contre eux, eux autres, je contre les gars de l'équipe du Québec euh, dans le temps. Puis là, tu vois, les, ils me voient là, descendre de la piste. Euh, ils restent souvent un peu, leurs gars, ils vont passer en début de course. Ouais, euh, parce qu'ils ont les meilleurs ça? points. On ne va peut-être pas rentrer ouais. peut dans les points aujourd'hui, les points non, fixes. Non, mais là. on, on l'avait un peu survolé, ça aussi. Okay. Ouais. Fait quoi ouais, passe d'un les premiers. Puis après ça, euh, ils vont rester pour les, les, les gens qui ont moins de points. Puis tout ça. Ouais. Donc, ils te voient ski, ils savent, ils savent comment tu skis Donc, ils savent un peu à quoi s'attendre. Là, reste à savoir si tu si es réellement qu'est-ce que es sur ski, mais... Tu, tu restes quand même une bonne personne, tu puis que tu as un certain vouloir, tu à vouloir t'améliorer, à comment tu vois le ski, est ce qui est-ce que tu veux continuer, est-ce que il y a beaucoup de choses. Encore là, tu l'équipe du Québec c'est encore beaucoup plus de sacrifices que l'équipe de région. Là, on parlait tu du jeudi vendredi, mais là on parle de semaine là que tu manques d'école, solide. Tu sais, je me souviens dans ce temps-là, j'étais au collège de Montréal, là, je, là, je salue le collège de Montréal encore, yes. énorme ambassadeur. Si vous avez des, des enfants, Caroline, envoyez-les là. Sport étude, c'est les plus belles années de ma vie encore. Là. Un 3 ans de secondaire 3 à, à secondaire 5. Ça t'a pris 3 ans de faire ton secondaire 3? Yeah, non, moi-même pas pris ça, moi. 3 <laughs> <laughs> ans de, de troisième ouais. à cinquième. De secondaire 3 à 5, oui. Oui, exactement. Mais euh, c'était vraiment fantastique. Encore là, j'étais vraiment épaulé. Mais si je te manquais des jours d'école, j'en suis impressionné là, à quel point je n'étais pas présent. Mais en même temps, je revenais, il me laissait du temps pour faire mes examens. Euh, t'sais, je, t'sais, je, tout skieur sait à quel point comment c'est quel point c'est dur d'étudier après une journée de ski. Si ah oui. t'es brûlé, t'sais, le ouais. chaud, le froid, euh, des journées à moins 30, euh, tu finis de skier à, à 3-4 heures. Fait fait 30, noir. Tes skis. Je l'ai tantôt, là, ouais, ouais, la, la, la ouais. routine de, ouais. de camp d'entraînement, ben, c'est la même chose quand tu es au Québec. Mais il fait froid tu t'es au Québec ouais puis j'étais pas pis pas dans les short avec Chris Power mais j'ai fait un camp euh, de sélection avec l'équipe du Québec en tant qu'entraîneur puis c'était pas aucunement moi qui prenais aucune décision j'étais juste là en tant qu'observateur puis apprendre mm -hmm. puis le monde le savent dans, dans la saison ils connaissent les jeunes ils parlent au coach des ils parlent au coach Alain pendant la saison puis ok lui il est comment blablabla puis il le voit après la course puis tu sais je veux dire on n'est pas tant séparés là, en tant qu'entraîneur. Tu vois ouais. les coureurs, tu vois comment ils réagissent. Après les courses, tu vois comment, comment ils sont comme personne. Puis le camp fait vraiment comme OK, parfait. Là, ben, en tout cas, moi, le camp que j'avais fait, c'était ça. C'était comme sans les briser, on va les mettre, on va, on va tester. Puis là, là c'était des grosses journées épouvantables. Puis c'était de voir un peu comment le monde réagissait. Puis là, c'était OK, après la soirée vidéo, comment le monde aussi réagissait. Puis dans, dans, on avait une chambre, nous autres, avec les coachs. Puis c'était ça. Là, à chaque soir, c'était ça. C'était jaser OK, comment tu l'as trouvé lui est okay, parfait. T'sais, en tant qu'entraîneur, tu vois un certain potentiel, tu vois jusqu'à où tu penses. en fait, tu penses. C'est comme un peu un gamble. Il y a, il y a des valeurs plus sûres que d'autres, mais il y en a des joueurs où t'es comme OK, Lui, je pense vraiment qu'on est capable de l'amener plus loin. Je pense que. Puis le feeling aussi il est bon, tu sais. Entre ouais. euh, la vibe, elle passe bien. Je sais pas ouais. trop comment le décrire, mais ça, ben, crime le jeune est vraiment réceptif à ce que je dis. Puis il a l'air de m'aimer puis tout ça. Quand en dis qu'il y en a d'autres que c'est vraiment, vraiment des bons, des bons skieurs, des talents bruts, mais sont fermés, fermés. Et si ouais. ça marche pas du tout avec toi comme entraîneur, fait il y, y en a que ça peut être aussi con que ça, là. Qui, sont, qui, qui pourraient complètement mériter leur place là, mais vu que ça ne marche pas avec l'entraîneur qui est là en ce moment, ben, écoute ça ne marchera peut-être pas parce qu'on n'arrivera pas à te faire développer ton plein potentiel parce qu'ensemble, le match n'est peut-être pas, peut pas parfait. puis fait fait ouais, Je pense qu'ils connaissaient Lambert, ils devaient savoir très bien comment il travaillait, comment il était sérieux, comment il voulait T avais faim, là. Je veux dire, tu étais ouais. vraiment un gars compétitif qui voulait gagner, qui était là pas pour n'était ouais. pas là pour niaiser, qui sortait ouais. pas toutes les fins de semaine, qui, qui arrivait pas scrap aux entraînements. Ouais. Fait que, ça, ça paraît ça. C'est ouais, non, il y a toujours le, 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 le cliché, euh, des, des, des sacrifices, là, mais c'est vraiment ça. Surtout en ski alpin, tu ne tu tu restes pas à Montréal là, quand, pour faire du ski. Là, donc, moi, je partais de Montréal, puis je m'exilais, m'exilais. Ben, je suis en bas loin, allais, loin, loin, à, à saint, loin, saint sauveur À Saint-Saint-Marie, j'avais saint tout, j'avais Tu sais, tu n'es pas chez toi, tu n'es pas souvent chez toi, tu es sur la route, pendant que tes amis le vendredi, peut-être qu'ils sortent, tu rendu là, je au revois. J'étais au cégep. Des fausses cartes. On est là, en gang. On va se dire des vraies <laughs> affaires. On sort même quand Jamais. on n'a pas 18. C'était ça. <laughs> c'était ça. <laughs> Mais. Euh, ouais, là, tu on ne dis... sait pas de faire ça à la maison, non, les jeunes. Non, clairement. Jeunes. Non. <laughs> Mais euh, oui, effectivement. C'était. Euh... Fait quoi, effectivement? le là, bout de Sacrifice. Puis là, après ça, euh, tu l'as dit, des saisons euh, quasiment entières à faire Mais, du ski. Oui, euh, non, c'est ça. À SQ, non, avec euh, l'équipe <laughs> du Québec, c'était des saisons complètes à faire du ski. Puis, sincèrement, ça a été une, euh, un. Un turning point, si on veut, là, un point tournant de, ouais. de ma carrière de ski, l'équipe du Québec, c'était euh, sans aucun doute ma plus belle année de ski euh, encore que j'ai que, que vécu euh, Les plus gros, les plus beaux voyages que j'ai vécu. Je me, euh, le Colorado, c'était. Le Chili, c'est le fun, c'est super. Tu n'as pas beaucoup de chance que beaucoup de fois dans ta vie que tu pourrais dire que tu pourrais aller au Chili. Je suis allé une couple de fois. Le, le Colorado, c'est proche. C'est beau, c'est modeste, c'est euh, riche. T'sais. Il y a de l'argent là. là. C'est des grosses montagnes, puis ouais. c'est le style nord-américain. C'est ouais, moderne. C'est ouais, nord-américain, c'est ouais. ça. Ouais, c'est moderne. Il y a beaucoup d'argent qui sont mis dans les montagnes. T'sais, beaucoup d'investisseurs <laughs> vont mettre de, de, de l'argent là-dedans. Euh, puis, tu sais, en altitude, euh, c'est quelque chose de nouveau là. Puis, euh, c'était vraiment des belles courses là. C'était là mes premières normes là, justement. Oui, exactement. Parce que là, il faut expliquer que équipe provinciale, tu arrives en fils tu as le circuit fils qui lui est déjà en soi quelque chose. Ouais. Puis là, quand tu arrives à un certain nombre de points, donc quand, quand tu arrives à accumuler une coupe de bonnes courses, tu diminues tes points. Ça, on en avait un petit peu jasé, mais c'est ça. Fait que tu arrives avec des bas points. Puis, quand tu arrives à un certain niveau, là, tu es capable d'avoir accès à des normes. Ouais. Euh, les nord dans le fond, qui sont les coupes nord-américaines. Exactement. Euh, parce que tu as deux coupes. Tu as, as, ouais. as les Nord-RAM, puis en Europe, tu as la Coupe d'Europe. Coupe d'Europe. On, on, on va comparer, comme tantôt, la, la Whistler Cup à la Topolino. Exactement. Ben, ça, c'est la Nord-RAM, puis la Coupe européenne. La nord wow. qui est dite un peu plus facile, mais encore là, c'est parce que le. le, le, le le, le bassin, bassin ouais, Le ça, bassin d'athlètes est juste réduit, tu sais. Il y a moins de... En Autriche, le sport national, c'est le ski. C'est ça. C'est comme le hockey là, pour eux là-bas. Euh, donc, le bassin est plus gros. Puis, tu sais, <laughs> chaque jeune veut faire la Coupe du Monde, eux, quand ils naissent ouais. ben, ouais. nous autres, chaque jeune veut faire la NHL, quand Kaynes. C'est ça. Euh, je généralise vraiment beaucoup. Non, mais là. non, mais c'est <laughs> ça. On, non, <laughs> on le sait. On ne se mentira pas ouais. au Canada, on gagne l'or aux Olympiques. Ouais. Pas parce qu'on fait semblant d'aimer ça. Là, c'est <laughs> vraiment, on est un pays de, de hockey. hockey. Puis, petite question pour toi avant ouais. que tu commences, si je peux me permettre. Ouais. Euh, tu as mentionné tout à l'heure, ben on a mentionné que, mettons, il y avait des Européens qui venaient faire, mettons, la Whistler Cup. Est-ce que ça. Si, T'as-tu fait déjà des courses en Europe, par exemple? Ou, euh... Ben, là, c'est là que ça commence. Euh, un peu plus tard que ça a commencé. Okay. Fait qu'on peut revenir plus loin ici. Si ouais, tu veux. ouais, il n'y a, a pas de problème. Là. Dans le fond, c'est après, ben, tu as les courses nord-américaines. Puis là, tu performes là-dedans. Puis. Euh... Toi, ça allait-tu bien? Moi, ça t'es rame, là parce moyen ça, okay. moyen j'ai pas euh, j'ai pas ben, mais vos, vos résultats là, on parle ouais, ici il faut dire non, que j'ai quand même monté assez rapidement tu euh, il y a du monde qui vont rester longtemps sur une certaine équipe vont baisser leurs points puis après ça euh, vraiment longtemps puis après ça ils vont monter dans une équipe moi j'ai été quand même assez chanceux là niveau si ton parcours doit tu monté fait, vite les je l'ai monté vraiment vite tu j'ai été chanceux dans tu sais certaines années qui n'ont pas les Jeux olympiques juniors donc j'ai été chanceux d'aller aux, aux Jeux olympiques juniors j'ai bien performé à la, la seule année que je suis allé à la Whistler Cup. J'ai gagné euh, la médaille d'or en slalom. Euh, J'ai bien performé en, en, en géant. C'est ça qui m'a ouais. euh, permis d'aller aux Jeux Olympiques juniors qui, qui apparaissent là pour la première année. Euh, J'ai été chanceux dans ma sélection sur l'équipe du Québec qui m'ont donné une chance. Euh, Puis là, rendu sur l'équipe du Québec, euh, ben. J'ai été chanceux au niveau des entraîneurs, au niveau aussi de l'équipe avec qui je connaissais pas mal, rendu là avec qui je coursais, c'était qui mon équipe. Parce qu'il dire, c'est un sport individuel, mais tu t'entraînes tout le temps en équipe. C'est très paradoxal là-dessus, parce que tu es en équipe 97% du temps, à part les deux runs. Les deux minutes que tu es seul avec toi-même, puis ton but, c'est plus d'avoir d'amis, c'est toutes les battes. C'est assez tough. Exactement. Mais tu sais, j'ai été chanceux au niveau des entraîneurs. J'ai eu deux superbes entraîneurs, Chris Powers, puis Ryan Momberg, si je le prononce bien, de la Suède, mesdames et messieurs. Mais. Ça, C'était tes coachs à l'équipe du Québec? sur l'équipe du Québec qui sont rendus maintenant sur l'équipe canadienne. Ouais. Très chanceux de les avoir à l'équipe canadienne. Ouais, Genre, Des gros en... coachs. Euh, ça a été sincèrement les plus, la plus belle année avec eux autres. Des coachs vraiment compréhensifs qui t'aident sur plusieurs points, dans, dans, pas juste sur le ski. Euh, Puis C'est ça que je pense que moi, je cliquais beaucoup. Euh, et partageaient ma passion pour le hockey. Eux autres, c'est des grands fans des sénateurs d'Ottawa. Donc, j'en avais beaucoup de. <laughs> ouais, c'est ça. beaucoup de fun. ils <laughs> beaucoup de fun <laughs> à, à, à se faire hein? dans le temps ben avec oui. les, les séries et tout. Mais, euh, ouais, donc, euh, c'est vraiment du monde qui m'ont beaucoup aidé. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé, tu sais, euh, dans le fond, c'est qui toi, tes coachs, euh, qui t'ont le, coach le plus. Tes coachs préférés. Ouais. T'ont le plus, marqué à l'école, quand tu es question ouais, ouais. dans ta question. Ben, moi, c'est Chris, puis Ryan. Euh, mm. Oui, puis ça tombait que c'était des plus belles années aussi ben je me suis pas compte que c'était ma plus belle ça... année mais ben non tu put... sais mais à la fin là, quand ouais. tu finis tout puis t'as les petites remises de fin de saison puis t'as les spring series les séries du printemps qui sont les dernières courses ouais ben tu prends une photo de l'équipe puis là il y a toujours des discussions pour la prochaine saison dans le fond puis là qu'est-ce qui arrive tu sais puis tout ça puis sincèrement j'ai eu une vraiment vraiment bonne saison ça vraiment j'ai énormément baissé mes points j'ai euh c'était impressionnant comme saison, je pense, pour moi. Même moi, j'étais vraiment surpris. Je m'étais vraiment donné en, en entraînement physique aussi. Donc, tu sais, mon physique avait vraiment changé. Puis, je me sentais vraiment confiant sur mes skis. Je me sentais dangereux là, pour les autres compétiteurs. Là. Ah, puis je pense que tu les honnêtement. Je, je pense ce n'était pas, euh, vraiment... pas une idée que tu te faisais. Non, non. Là, c était c était vraiment. Euh, le show, Ça, c'était du solide cette année-là. Puis là, il euh, y a la discussion de fin de saison. Il ben, euh, y a le camp de sélection de l'équipe euh, canadienne de développement qui arrive tout ça. Bon, moi de répondre, euh, oh, ben, je pense pas que je suis invité, là. je suis bien trop jeune, là, t'sais, t'sais, mes points ne sont pas encore euh, assez bas pour faire l'équipe canadienne puis justement les compétitionnaires en Europe contre les meilleurs qui ont, qui ont des bons points. Pis on ah, se rappelle ouais. pour les points, euh, dans le fond le système comment ça marche, c'est que tout le monde commence avec un X nombre de points, je ne me rappelle plus, 900, 900 Puis dans le fond le but c'est de, de perdre ses points en faisant des bons résultats à des courses, pis, ouais. De, justement de pas gagner de points si tu gagnes des points ben là, tu recules ben, dans le ouais, classement donc ouais, tu veux t'enlever des points exact. pour avoir le moins de points possible puis pour pouvoir perdre des points il ben, faut que tu à des courses où il y a des gens qui ont pas beaucoup de points ouais, qui sont à ces courses là donc plus il y a des gens qui ont pas beaucoup de points à la course tu plus fais tu fais bien à ces ouais. courses là plus que tu vas te faire enlever beaucoup de points ouais. donc là c'est tout le temps aller chercher les courses où ce que les gros athlètes sont pour <laughs> pouvoir aller perdre ses points ouais, puis puis plus t'as des bas points plus tough de continuer à les descendre. Ouais, exactement. T'sais, parce qu'au début c'est facile, tu as 9, 9, 9 Ouais ouais. Tu fais deux courses, es tu fais... déjà rendu en bas de 100. Tu fais une course, tu, sais, tu peux comme... tomber, remonter à la piste, puis tu, tu descends de 500 points. C'est ça. Tu mm -hmm. au, dé au début c'est ridicule comment ouais. ça descend vite, mais quand tu es rendu dans les je sais pas 50 premier euh, au monde 0 points. Ouais, c'est le... ça. Premier au monde à 0 points, ouais, point, le 30e au monde à 6 points. Donc okay. euh, ça vous dit ça vous dit un peu de, dans la catégorie je suis en ce moment, ça va, ça va varier entre euh, entre 17 là T'sais, à chaque course environ, ouais. tu vas varier. En, quand tu as une bonne course, le premier a environ 17 points, celui qui a les meilleurs points. Puis après ça, ça va monter jusqu'à environ 100, 120, 150. Il n'y a pas tant de limites. En, non, en fait, tout ça, le monde est, est ça, là. Tu as vrai. vraiment des, as des cagoules là, qui sont là. là tu as vraiment du monde. Non, mais, oui, mais c'est ça. Puis, puis, non, mais tu vrai. pas vraiment appelle... qui va venir. Ils s'achète une carte. Euh... Oui. Puis, OK, fait que là, juste mise en contexte, Lambert est rendu dans une situation. Euh, quand on parle que le camp de sélection de l'équipe canadienne, c'est que tu dans le junior majeur, puis là, c'est les Canadiens qui t'appellent pour faire un commun et tu viendrais -tu faire le camp de sélection. Oui, exactement. C'est littéralement ça. Le Canadien de Montréal, son club école, on va dire. Tu sais. Oui, mais en enfin, si fait, si, si tu viens faire le camp de sélection, ben après ouais, ça, oui, ouais, tu t'en ouais, vas, tu on vas, te vas, te dans vas développer équipe. dans Rocket, puis ouais. après ça, quand t'es prêt, on t'amène chez les Canadiens. C'est complètement ça. C'est la big league. C'est la grosse affaire, puis tu sais, comme je l'ai dit, moi, c'était. je j'avais ben tu sais, quoi, 18 ans, 19 ans? Ça, honnêtement, là, ans. chez les gars, c'est très, très rare. Et ouais. Ouais, La ouais, Coupe de développement, là, généralement, pour le ski, là, on va retrouver 25, 26 ans là, dans ces eaux-là pour aller accéder au camp. Ouais, ouais. Parce que le, 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 le ski, c'est un sport que le développement euh, se fait généralement là en, en, si on généralise un peu ça fait beaucoup plus tard ah, les ben c'est ouais, chez, chez les gars ouais, chez, parce les que chez les filles, filles, plus 18 T'es normalement supposé là T'es supposé être là c'est pas ouais, là il est temps que t'arrives. mais d'un si gars c'est beaucoup plus tard. Ah oui, c'est pour bah oui, ça ouais. que les, les, les athlètes vont continuer puis ça devient plus de plus en plus difficile parce ouais. que là, tu n'es plus un athlète ou ce qui est justement au cégep ou en début de carrière universitaire. Tu un athlète que c'est soit que tu as peut-être un bac, tu as peut-être deux en arrière du chapeau puis tu es encore en train de t'entraîner et tout. Donc es, ou tu en 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 as une... tout simplement. Ou, ou, pas, en ou, en, pas, parce, parce que tu trop consacré à arrêté ben, ouais, exactement patient, parce que tu as mis ton focus entièrement sur le ski. Exactement. Donc tu es dans une place plus loin dans ta vie. Donc faut vraiment que ça soit ton focus. Quand tu es rendu à, à, à cette étape-là, ce n'est pas, pas des choix faciles, ouais. des décisions faciles à prendre quand tu es rendu là. là. Ah non, c'est sûr. C'est une belle anecdote. Je pense que comment tout ça s'est passé puis comment ça a déboulé assez vite. Tu sais, comme j'ai dit, j'étais vraiment chanceux de, dans mon parcours de ski par les courses que j'ai faites, par les entraîneurs que j'ai eus puis tout ça. Puis là, on arrive à à ce, ce point tournant-là, un autre point tournant, je pense, la saison sur l'équipe du Québec s'est tellement bien passée, puis tout ça, puis j'ai tellement adoré mon expérience. Écoutez, moi, j'habite dans, euh, dans le quartier de Hunsic, quartier-ville à Montréal. Small loud. Small loud, si tu veux faire une collab ou <laughs> yes. Je sais pas qu'est-ce que je peux t'apporter, mais je peux te de même, quoi, des, je suis vraiment des points. Ouais, peut-être. Peut <laughs> je peux acheter ton gear, si tu veux. Mais... Euh, oui, dans quartier Cartierville, Puis euh, dans Annecy, il y a le complexe sportif Claude-Bière. Puis moi j'habite à une minute de là. C'est là qu'on allait s'entraîner euh, physiquement. Fait qu'encore là, j'étais vraiment chanceux. Il y en a qui partaient, écoute, on, on centralisait ah, l'entraînement. Il ouais. y, y en a qui faisaient a beaucoup qui de route là d'Ottawa. Pour venir là. là ah ben oui. Il était très éco-friendly. À ouais. 50, là, <laughs> ils l'ont vu. Là. Non, mais tu sais, on essayait de s'aider à se coucher chez nous, puis tu sais, euh, à s'héberger, puis à faire de la route ensemble. Mais hey, j'étais vraiment chanceux là, quand ils pensent. J'étais à, à l'autre bord de la rue, j'y allais à marche. Il y en a qui faisaient deux heures de route. Fait que tout allait bien dans cette équipe-là. Écoute, les coachs, les courses qu'on faisait, mon développement en tant que personne, ça allait super bien. J'étais tellement heureux. L'équipe de, de jeunes, était fort. autres, était comment sincèrement... Est... Les gars, j'y vois encore, puis on se rappelle encore des, du temps de... T'es tellement proche. C'est les premières années que t'es vraiment proche parce que tu cohabites avec eux autres, tu te fais à manger avec eux autres. Tu T'apprends vraiment la vie. T'es jamais chez toi. Ouais, c'est ça, tes amis d'école, euh, ouais. tu les vois pas. Tes amis, es c'est ta gang de ski. Là. Ouais, fait que ouais. t'es mieux de bien t'entendre parce qu'honnêtement, ouais. c'est ce une grosse partie de ce qui va faire si ta saison c'est le fun aussi si <coughs> ah, je suis ah, en compagnie ouais. avec eux autres. T'apprends ouais. à gérer des caractères, t'apprends à. à, à dans fond, des premières relations là, interpersonnelles, là, sont, ouais, sont ouais. Là, là, vraiment. Puis c'est là que j'ai le plus appris, je pense. Puis là, justement, on finit la saison. Puis là, pour moi, tu sais, on revient au camp de sélection. On me dit, ah, oh, les. Le, mon coach, il me dit, oh, ben, peut-être que tu vas être invité, tu tout ça. Moi, dans ma tête, c'était impossible. Je venais de passer la bonne saison. Dans ma tête, c'était sûr, je revenais sur l'équipe du Québec. Puis je me refaisais une autre saison de fun parce que j'étais jeune, j'avais 18 ans, j'avais pas, je pense, les. Euh, les performances pour. Compétitionner sur l'équipe canadienne encore. Puis je sentais que je n'étais pas encore là à 18 ans de partir. Parce qu'il faut le dire, l'équipe canadienne, ça se passe pas à Montréal, ça se passe pas au Québec, ça se passe en Alberta, ça se passe à Calgary. Ça se passe pas dans l'Est. La centralisation, non, la centralisation d'entraînement, elle passe de deux voilà. minutes à euh, une coupe d'heure de vol. C'est des vols, c'est des avions. là. Ouais. Ouais, ça, ouais. euh, donc, finalement, euh, là, on est en. Les séries du printemps sont en avril. Une semaine après, je reçois un appel euh, ou un courriel euh, que je suis invité au camp de sélection, dans le fond, de l'équipe canadienne de développement, qui se passait à Sunshine, euh, en Alberta. À côté. Il ben, faut dire, c'est en Alberta, mais genre, tu passes, euh, tu tu montes en chairlift, puis tu es rendu en BC. C'est vraiment magique. Ouais. <laughs> C'est magique. Donc, euh, je passais mes runs là, entre le BC et l'Alberta. Mais euh, tu passes là. Puis là, on parlait d'un camp de sélection avec l'équipe du Québec tantôt. Puis c'était pas que pas, c'était pas sérieux, mais étais jeune. Tu regardais différentes choses. Pis tout ça. Là, ça devient que es, tu passes dans un camp de sélection où tu vas être payé plus tard pour faire ton. ton... Ben, C'est gros. Hein. <laughs> C'est vraiment gros. C'est là dans ta vie, dans le fond, que tu fais quest okay, ce que je veux faire ça de ma vie ou je veux pas faire ça de ma vie Parce que là, toutes les autres affaires que tu avais dans ta vie, ben t'es délaissé parce que là, c'est ta job. Ouais, tu Mais... pensais avoir fait des sacrifices jusqu'à temps que tu arrives là. Ah, non, tu comme, ok, non, okay, non c'était pas <laughs> des sacrifices que je faisais là. <laughs> ok, C'est <laughs> ça. C'était vraiment pas ça. Mais euh, Fait que là, tu rentrais dans le real game. pis je me souviens là, je passe d'un. Je passais d'une un, équipe tellement le fun qu'on avait tellement de plaisir avec les, les, euh, les coachs, qu'on avait tellement de plaisir. On parlait de tout pis de rien. Pis, c'était du sérieux mais c'était moi je prenais pas ça au sérieux puis pas, pas je prenais pas ça au sérieux je veux dire c'était du réel plaisir ben, c'était pas oui. une tâche. C'était. je m'en allais skier puis j'avais du fun puis je voyais ces gars-là puis mais là quand sélection t'arrives puis à sunshine puis là le... moi je suis là puis je me dis anyway je vais pas être pogné. je vais pas être pogné, je suis trop jeune mes performances suis pas assez fait de choses mes points sont pas assez bas puis là t'arrives là puis T'as les coachs d'équipe canadienne qui sont là, puis c'est du sérieux. Là. Tu le vois qu'ils te parlent, là, puis il n'y a pas vraiment de sourire qui est là. là tu sais. Puis t'es des meetings. Hein. Le ski, vraiment, ça part. Là, tu sais. Le ski, je veux dire, ça, ça marche avec une montre. Si t'as pas de montre, tu n'es pas hâte de faire du ski, tu n'es pas hâte d'être dans une équipe. élite Tu te rends compte assez vite que l'horaire d'une oui. journée de ski est tourné au <laughs> quart de minute. Là. À 8h, tu fais ci. À 9h, tu fais ça. À 9h12, c'est mieux d'être là. Parce que sinon, il y a toujours des conséquences. Tu apprends ça vraiment jeune, là, ça te discipline vraiment. Francis, on le salue. Non. <laughs> Francis? Fra non, mais merci Francis, parce que Francis, ah, ben oui. euh, je, je suis comme ça aujourd'hui, je suis à l'heure, puis euh, tout ça, mais euh, t'as des meetings, puis... Euh, L'horaire est plugué au quart de tour, là, justement, à ce camp de sélection-là. Puis ça part, puis ils disent, dans le fond, Bien, on va vous évaluer. On va vous évaluer, puis euh, tu sais pas trop à quoi s'attendre. Moi, c'est le premier vrai camp de sélection. Mm -hmm. Ça se passe, je suis zéro chez nous. Euh, J'avais mon ami William Robin Mercier qui était avec moi, euh, qui est rendu coach à, à Stoneham. Puis euh, nous autres, on vient d'une toute autre mentalité euh, avec notre équipe, qu'on était réputé pour avoir du fun, puis de niaiser un peu ensemble. On, on passe à. Avoir toutes les autres équipes des autres provinces, puis le sérieux qu'il y a là-dedans. Puis là, moi, pis je me souviens, moi, puis William, on se regardait, puis on était comme, man, c'est pas en toute la même affaire, là. Genre, il y a un step, il y a une marche, là. Ouais. Ah, c'est une joke, là. Moi, William, il y a des caméras, ouais, ils sont oh, toutes l'air bêtes, puis là, ils vont. Nous autres, on est là, on a des <laughs> souris, tu sais, on se regarde, puis ouais. on comprend pas vraiment. Puis il faut dire, t'as les filles aussi qui sont avec nous, on fait le camp d'entraînement avec eux autres, puis on a leur coach, puis on a leur coach. Mais on est sur la piste. Puis euh, ils nous disent, faites cet exercice-là. Puis on est tous supposés savoir c'est quoi cet exercice-là. Puis je veux dire que, tu sais, nous autres, au Québec, <laughs> ça se passe pas mal en français. Fait que je sais pas c'est quoi l'équivalent de. Peut-être qu'ils ont ouais. un autre nom en Il anglais. Ils sortent un terme que. Pis, je suis quand même débrouillard en anglais, tu sais, mais. Oui, Hubert, tu vas peux essayer de te rapprocher du micro. Ah, pardon, ouais, pas merci, de problème. Merci beaucoup. Mais, euh, ouais, donc, t'arrives là au camp de sélection, puis je me souviens, on est, on est sur la piste à Sunshine. Ils nous disent l'exercice à faire. Puis là tout le monde se regarde c'est ce qu'on fait les gars il y a quelqu'un qui puis là t'as tout le temps comme ok ben vas-y vas-y fais-le vas-y pars mm -hmm puis eux sont en pisse avec leur calepin. ouais puis t'attends la Hermione Granger qui comme c'est l'exercice c'est <laughs> tout vas-y fais-nous une démo là ah oh, c'est ça parfait on y va complètement n'y y a personne qui complètement tu sais puis y a toujours le petit stress de le fait-tu comme il faut c'est ça <laughs> <laughs> c'est ça qu'il qu faut faire <laughs> dans le fond tu sais absolument rien ok tu sais rien puis c'était comme go, puis essaie de le faire comme tu peux puis j'imagine que c'est le but aussi c'est le but j'imagine aussi c'est le but un peu de voir à quel point tu sais te débrouiller puis comme ok on te donne le moins d'informations possible pour voir jusqu'à quel point tu vas fitter dans ce qu'on veut. ce qu'on ou, euh, Ouais, ouais, carrément. C'est comme. Tu peux faire une, une comparaison avec le marché du travail, puis les entrevues que tu as. Ouais, tu posent des questions. Ben, nous autres, c'était un peu des, plus des habiletés, peut-être physiques, mais c'est sûr qu'on a eu des entrevues un peu plus au niveau euh, psychologique, voir comment on pensait, on voyait ça. Là, mais euh, c'était pas mal ça. On, on le lance en la gueule du loup, puis euh, allez-y, mes, mes amis. Puis l'affaire qui était vraiment frustrant c'est que tu n'avais aucun, aucun feedback. Fait okay. que tu arrivais en bas, puis c'était comme Bon, c'est bon, prochain exercice, tout le monde. puis là, on était OK, mais on savait même pas si c'était le bon exercice ouais. qu'il fallait faire. Je pas, je l'ai tué. Je l'ai. Allo. <laughs> Excuse. Fait là, que allo. À Québec. Uh, <laughs> Hi, bonjour, <laughs> mais mais l'affaire, c'est que c'est ça. puis là, c'est des petits exercices, pas de chronomètre, pis tout. puis là, on rentre dans la deuxième partie du camp, puis on a des meetings le soir, puis euh, tout ça. Mais ça reste quand même vraiment sérieux. On est dans un hôtel. Il faut dire qu'à Sunshine, c'est pas un hôtel qui est dans la ville, puis tu peux te promener, pis tout ça, c'est vraiment sur la montagne. Tu prends une gondole, puis tu es une semaine là. Tu es dans l'hôtel pendant une semaine, euh, puis tu restes là. Tu ne peux pas descendre en bas. Tu n'as pas d'auto, évidemment. Tu es là pour une semaine. Um, puis là, arrive le temps que tu, les, les fameux, le nom en anglais, juste pour dire le nom en anglais, ça me oh, fait plaisir de dire en français, mais ça donne un peu de sérieux. « Time trial ». Ouais, là, ben c'est oui. le temps des time trials. Ouais. Tu as de l'air sur ton, ton cheval de course, là. Puis tu t'en vas à la course, c'est les time trials. Puis là. Mais ça, par exemple, moins besoin. Le feedback, tu l'as, par exemple. À moins que tu t'aies pas le temps. As ah non, t'as ah pas non, le temps, c'est sûr. Ouais, ça, ça, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Pas pas facile, de... Ben <laughs> de te comparer <laughs> aux autres et de te dire Ah, ben écoute, j'ai bien fait, je vais me donner un peu plus. Non, c'était vraiment tu y vas à l'autre. Puis t'essayes d'y aller. Il t'est pris au max. Il t'est pris au max. de. La seule euh, affaire que tu c'était feeling là, sur ta run de comme, je pense, ouais, à la bien ouais. été. Puis là, c'est sûr qu'ils font exprès pour te mettre comme, ouais. de mettre des doutes dans ta tête. Puis ils te mettent des contraintes, tu sais. Ils disent en, en, au début, tu sais, si tu tombes, si tu t'accroches, tu si tu comme, tout pour te faire paniquer, tu sais. Donc, il y avait absolument rien de fun. C'était sincèrement une des pires semaines de ma vie au niveau plaisir. Euh, Puis moi, encore là, je suis là, pis... Je ne sais pas mes temps. Je sais pas mes 18 temps. Ans. Moi, je, je suis là 18 ans, <laughs> puis les gars, ils ont 19, 20 ans. C'est énorme. C'est énorme. Un an de ski, là, en ski, quelqu'un de plus vieux que toi, à, surtout à cet âge-là, ah, ben quand oui. tu bâtis ton physique un peu, ah, c'est ouais. sûr que je n'ai jamais été un des plus petits. J'étais un des plus gros, puis plus grand, puis tout ça. Je ne fais pas pitié là-dessus, mais il était plus grand, plus gros, plus d'expérience, surtout là, à ce niveau-là. Mais... Puis, tu te fies sur la saison que tu viens de passer. Puis là, t'es comme, moi, j'étais pas dans les meilleurs points qui étaient là, si on veut, avec moi, là, dans ce temps-là. Il y avait du monde qui était vraiment meilleur que moi. Puis là, je me dis, ben, Caroline, je peux pas. Oui, je qui bien. Oui, je suis bien. Je finissais toutes mes runs. Ça, c'était important pour moi. Je voulais vraiment tout finir mes runs. Puis, je me donnais à fond. Puis après ça, j'étais comme, Temps et que je peux rien faire avec mes temps, j'y sais même pas. Tout le monde se concentrait là-dessus, essayait d'avoir des temps, Moi, je savais pas c'était quoi, je savais pas, je voulais pas me concentrer là-dessus. Mais il comme... donnait à personne là, les temps. Mais... Personne. Okay. personne, personne, personne. Donc on avait une journée de, de Super G, on avait une journée de... de Slam Géant, puis on avait une... une journée de Slalom. Puis dans le fond, c'était fait du mieux que tu peux, puis tout ça. Puis je pense que, comme sur le marché du travail, regardaient... on me parlait dans qu'est-ce que tu penses qu'ils regardaient toi, je pense que c'était une attitude. Tu sais, ton sérieux que tu mettais là-dessus, puis l'effort que tu y mettais. Euh, puis je pense que là où j'ai gagné des points, que je savais réellement que ça s'était bien passé, c'était une, une soirée. Eh bien, dans le fond, pendant toute la semaine, ils vont passer justement des entrevues à chacune des personnes qui sont là pour voir comment, euh, comment tu vois ça, qu'est-ce que tu entreprends, c'est -ce quoi ton rêve, tu sais, c'est quoi. Euh, ben, Est-ce que tu veux faire ça de ta vie? C'est des petites questions comme c'est Qui ton idole? Pis non, non. Pis je me souviens, j'étais arrivé là tellement stressé parce que je me suis dit, hey, genre, moi je bâtis pour les saisons plus tard. Je veux qu'ils qu 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 soient au courant que je suis sérieux. Puis ouais. que, que plus tard je vais dans leur équipe. Puis euh, je vais être là. Puis tellement que j'étais sérieux, tellement ils m'ont dit, genre, relax, comme c'est correct. Puis j'ai juste répondu. Non, pour moi, c'est vraiment sérieux. Comme je veux vraiment faire ça. Puis dans mes yeux, tu le voyais à quel point je voulais vraiment faire ça. Puis je pense qu'à ce moment-là, ils ont fait comme lequel ils veulent vraiment. Je sais pas que c'était quoi mes temps. Je sais pas c'était quoi, mais je sais que c'est la combinaison bon de l'eff... Non, non, c'est ça. Ça, c'est ça je veux savoir. Si il y a quelqu'un à Ski Canada qui a les talents à bas est si qui il est les contacter je Show. demande à John Kuchera et à John, si vous voulez, j'y cherche encore. Appel nous. Appel nous, beaucoup. Comme si... Mais, ouais, non, c'est ça, c'était pas mal du... Je savais pas, c'était quoi mes temps finalement, euh, après ce meeting-là, tout ça, on serre la main des coachs. Puis je m'assure de serrer la main des coachs mm. pas fort, mais je les regarde dans les yeux, tu sais. Puis un bon comme je le veux. J'ai une bonne main. J'ai une bonne main. <laughs> tu, dans le sens, pas tu vas ah, tu te demain. pas tu vas te souvenir, <laughs> mais genre, tu vas te souvenir de mon sérieux, puis à quel point, ouais. comme pour moi, c'était pas une game c était, c était, cette semaine-là, tu sais. Parce mm. qu'eux, ils apprenaient d'une certaine façon. Puis moi, je me suis dit, écoute, je prends ça comme une, exp une expérience, tu sais ouais surtout que tu es arrivé là en pensant que tu n'allais même pas le faire. Ah non, puis à la fin, fait, je ne pensais pas que j'allais le faire. Fait, moi, moi, je bâtissais pour les années plus tard. J'étais comme, je fais mon autre année sur l'équipe du Québec. Moi, dans ma je, je tête, je suis sûr à long terme. Ah, c'est long ça. terme, c'est un investissement, là, cette affaire. Pis je suis sûr que, en tout cas, je pense que cette attitude-là, ouais. de faire genre, regarde, prends-les comme une expérience, fais en sorte que le monde te remarque, Puis quand tu vas revenir, ils vont faire comme, ah oh, oui, ouais. I know that guy, Puis là, ouais. comme « ok, parfait, je suis là, Puis là, ouais. je suis là, Puis là, j'ai la bonne âge, Puis là, whatever, je baissais mes points encore, je vous ai encore prouvé que ça marche. C'est sûr que cette suite-là, tu faire comme. Ouais, dans le fond. Euh... Parce que clairement, à 18, je, je veux dire, eux autres aussi, les voyaient les points, là. Oh eux oui. autres aussi, voyaient les points, voyaient l'âge que t'avais. C'est sûr que ça avait C'est sûr eux game, autres, là, eux eux ça, ils ont là. des critères, ils font des plus, des moins. Puis après ça, euh, tu sais, ils voient, ils se rendent compte, puis ils parlent, puis ils voient s'ils te veulent dans leur équipe, puis s'ils rentrent dans leur, tu dans leur philosophie. Mais euh, ça s'est tellement. À partir de là, je finis ma semaine à Sunshine, puis ça s'est tellement passé vite. Ça s'est vraiment, vraiment passé vite. Euh, là, on était en avril dans ce temps-là. Je venais de finir les Spring Series. Comme j'ai dit, une semaine après, euh, j ils m'appellent le camp de sélection. La semaine d'après, milieu avril, on me dit, OK, viens en sunshine? Je fais le camp de sélection. Fin avril, ils me disent, dans une semaine, on va vous dire notre réponse. tu euh, retournes chez toi. Moi, je me retourne chez nous, puis je <laughs> euh, m'en vais, je m'en vais relaxer. Tu sais, ma saison est finie. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu sors les <laughs> j'aimerais ça j'aimerais ça mais même là c'était tellement une saison qui était de voyagement puis beaucoup d'efforts que ton deux semaines de, de, de congé ton trois semaines tu le reprends tu t'es bien content mais je me souviens j'étais au centre Claude de Robillard euh, puis je recommençais parce que je m'étais dit hey, écoute genre, ça m'avait motivé cette quand là j'étais comme hey, je... puis je savais que j'allais bien performer je faisais vraiment confiance à, 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 mon, à mon entraîneur physique dans le temps qui est Virginie Doyon euh, Verge. Euh, Salut. Merci euh, beaucoup. Puis je pense qu'elle sait. Mais elle a vraiment fait une différence euh, dans mon parcours. Euh, donc, j'étais revenu à l'entraînement. Puis je parlais avec Verge dans ce sens là Puis je disais, ça a bien été. Puis tout ça. j'aimerais ça travailler. Puis ça. Puis ça. Puis j'étais revenu à l'entraînement finalement. Puis elle savait que j'étais supposé recevoir le, le, le téléphone d'un jour à l'autre. Puis j'étais à l'entraînement. Puis je reçois l'appel euh, de l'équipe canadienne, dans le fond. Du coach. Un, un gros. Sérieux, hi. Lambert. Mm -hmm. Je suis comme. What is this? Modéro des masqué ça, ouais. comme, Le gouvernement, j'ai ouais, fait. Le 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 pour payer tes impôts, je sais ce Mais c'était vraiment un coach sérieux. Écoute, euh, mais il me dit ça. Puis euh, moi, encore là, je tiens à le répéter. Dans ma tête, c'était impossible mm -hmm. que j'allais là-dessus. Ah, ouais. C'était impossible. Puis euh, je finis ça. Je, dans le fond, il me dit ben bravo Lambert, t'as été sélectionné euh, sur l'équipe canadienne de développement. Puis, euh, tu sais, euh, on est vraiment euh, contents de t'avoir. Euh, Fais juste nous donner une réponse, c'est Puis, je me souviens, j'étais là, là, au, à gym. La telle, au gym. <laughs> puis, je disais rien, puis je faisais juste écouter, puis je braillais. J'étais là, là j'ai braillé. Je braillais, puis là, je. Tu euh, ma copine de l'époque, moi, je pense à tout ça là, dans ma tête que hey, je m'étais zéro préparé à ça. Je <laughs> m'étais zéro préparé. Zéro. c'est plus marcher au centre-ville de Rébillard, là, je suis à Calgary, là, tu sais. Ouais. Fait que là, tu sais, a été sélectionné sur l'équipe, tu nan, 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 on est fait à Tavoir, tout ça. Mais encore là, il ne m'a pas donné mes temps. Fait que j'y sais pas. <laughs> j'ai toujours pas. à la recherche. On attend toujours <laughs> les temps à l'envers, s'il vous plaît. Ah, toujours pas Donc, je suis là au téléphone, puis là il me dit, ben, on t'attend à Calgary la semaine prochaine, ça part. Fait que là moi je suis là, j'ai aucune idée que je m'en vais sur l'équipe canadienne. Puis là je pars d'un appel de une minute et demie à tu changes ta vie au complet mon gars, tu es rendu, que tu fais ça de ta mmh. vie, puis tu t'en vas à Calgary la semaine prochaine, on t'attend. Que moi, j'ai pas de famille à Calgary, malheureusement. J'ai pas personne. Ah, qui... Non, non, non. <laughs> je... non T'es étonnant. J'ai pas, genre, ta vie, elle tourne à 100 000 à l'heure d'un jour à l'autre. Fait que là, moi, je passe du kid qui est sur l'équipe du Québec, qui pense absolument à rien, au du gars, fun. qui a du ouais. fun, qui a du plaisir, au gars qui lâche complètement toute cette affaire-là, puis qui s'en va sur l'équipe canadienne. Il y a juste une semaine pour se préparer, là une semaine une semaine pour dire euh, écoute euh, <laughs> euh, copine copine <laughs> no <Know> what <laughs> euh, non mais écoute copine tu sais euh, j'ai été pris mais je me souviens que ma première réaction je, je sais pas si c'était égoïste mais c'est pas je pense pas que c'est égoïste avec du recul je braillais je braillais complètement je braillais pas nécessairement de joie euh, je parle égoïste pour le monde qui ont toujours voulu faire ça mm -hmm. euh, pis, non, ben dont non. moi T'sais, mais euh, je, je, je pleurais euh, à chaud larmes euh, à, devant mes parents t'sais, qui ont tellement investi d'argent là-dedans mes parents n'ont jamais été du genre à me pousser dans le dos à pousser 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 puis vouloir que je gagne toutes les courses zéro mon père ne fait même pas de ski okay? il, il il regarde même pas ça il me suit sur lifetiming qui est une plateforme que tu peux voir les temps en, en, en dit, direct, en ouais. direct. Le, sur cette plateforme là on les voit les temps on les voit mais <laughs> ouais. on ne ouais. voyait pas mes temps de son <laughs> équipe donc euh, mais ils me regardent regardent mes courses là-dessus mais ils m'ont jamais 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 poussé puis je retourne chez nous puis je dis à mes parents tu sais ben, j'ai été pris mais je braillais pas dans ce temps-là puis mes parents ils me disent Hey, ben, Lambert t'es pas content je pars à brailler ils les comprennent ouais. absolument rien tu sais mais c'est un gros changement mais ben, c'est un gros je, je, je suis là puis je, je le revis encore un peu en ce moment mais tu sais tu, depuis tantôt je parle de l'équipe du Québec puis comment c'était l'année de ma vie puis là je suis tellement monté rapidement, DLS, euh, tremblant, équipe du Québec, en un an, un an, un an. Puis là, un an, je saute sur équipe développement. Beaucoup de changements, il y, y a la ville, y a, y a, dans le fond, là, ma copine que j'aimais beaucoup dans ce temps-là, qu'il faut que je m'en aide, il y a mes parents, il euh, y a mes amis, y a, y a qu'est-ce que je fais avec l'école Je te rendu au Cégep à ma deuxième année de Cégep. Euh, pour moi, l'école, ça a toujours été important. Là, je m'en vais à Calgary. Ils me demandent un peu de délaisser l'école euh, entre les lignes, tu sais, pour dire comme... Faut que c'est sérieux, ça demande beaucoup de temps. C'est sérieux, tu sais. Il y a bien des affaires qu'il va falloir qu'elle t'arrête. Ouais. Genre, tu je n'aimerais pas d'exemple, mais c'est ça le <laughs> cégep, tu sais, puis tout ça, whatever. Ouais. On n'a pas de cégep, nous autres, euh, tu sais, dans l'Ouest. Ouais. Ouais. <laughs> ça, je, je vais vouloir que tu en parles après, ouais. de qu'est-ce que tu as fait avec l'école Ouais. Ben continue ton histoire. Ouais. Mais, ouais, mais bref, tu sais. Euh, fait que c'est de te couper de tout ça. là C'est de me couper de tout ça. Puis sincèrement, euh, je euh, je me souviens, j'avais appelé mon coach, Chris Powers, là, de l'équipe du Québec. Puis je dis ça. Puis encore, Chris, t'sais, il est tellement laid back. Genre, ouais. Mais ben, bravo. c'est vraiment cool. Genre, mais il est vraiment heureux. Tu sais, je sais que c'est cool, le Chris. C'est malade. C'est mes, mes pleurs, tu ah. en ah. ce moment. Mais. Euh, fait que là, je dis à Chris je dis, Chris, écoute, je pense pas que je suis prêt je commence vraiment en question tu sais, tu, ah oui. tu, moi je m'attendais pas je m'étais pas préparé à ça puis Chris c'est qui m'encourage qui parle avec les autres coachs tu sais, puis tout ça puis euh, un point un peu malheureux tu sais, je me parce qu'il faut dire que toutes mes, ces réactions là ont été provoquées par une année d'avant tu sais, que je voyais mes, mes amis qui ont été sur l'équipe du Québec que j'ai compétitionné contre eux ben, mais, dans le temps, je ne connaissais pas. Mais vraiment, les têtes que tu regardes skier sur l'équipe du Québec, dans le temps, les, les Vincent Lajoie, les William schussler bedard les William Saint-Germain, euh, ils étaient sur l'équipe de développement. Puis ils se sont toutes fait couper après une, an une année. Il y avait des meilleurs points que moi. C'est sûr, ils étaient plus vieux, tout ça, mais euh, pour moi, c'était des, des exemples à suivre au niveau de ski. Puis là, tu te dis, OK, ils ont toutes, toutes coupé d'une année à l'autre. Puis là, il, il rembarque une nouvelle gang, dont moi, qui, moi, je les ai toujours regardés. Ouais, je pensais qu'ils étaient assez bon pour être là. Puis là, moi, je suis rendu là, là. C'est moi qu'il faut qu'ils prennent cette place-là. Fait que là, je me dis, quelle garantie vous, vous me donnez? Tu moi, dans ma tête, il faut que je sois sur l'équipe du Québec une autre année pour me développer. Tu sais, euh, ben, mes points, tu Puis un peu settle, avoir une vie un peu plus stable, oui, au niveau, genre, être confortable dans qu ce que je fais pour, euh, pour réussir à un peu mieux performer, tu sais. Mais je me souviens toujours d'une phrase au camp de sélection. Une autre phrase vraiment plaisante et. et, et... Comme un pro Comme un pro, là, ouais. le, le truc du pro, c'était là, c'était quand le train passe, tu le prends. Pis, fin de la en, phrase. En, en, voulant, <laughs> en, voulant dire, en voulant dire, si on te prend sur l'équipe canadienne, t'es mieux de prendre la chance parce qu'on ne reviendra pas te revoir, tu si tu ne veux pas, mm -hmm. si pas là-dedans. Fait qu'il y avait toujours ça qui me traitait dans la tête. Fait que là, je dis, moi, j'étais au téléphone, puis je me souviens, puis j'ai euh, reparlé après, plus tard, parce que mon coach a parlé avec son avec le coach d'équipe canadienne pour lui dire, dans le fond, écoute, l'embaille est dans cette situation-là, puis il se sent comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis je me rappelle que le coach d'équipe canadienne, il, il me rappelle, puis il me dit, euh, puis, je dis, quelle garantie que vous pouvez me donner? T'sais, moi, je délaisse tout, je m'en vais là-dedans. Puis je me souviens, euh, il m'avait répondu Ah, oh, mais t'en fais pas, t'en fais pas avec ça, c'est super formal, non, non. On est une équipe de développement, on va, on va te développer, puis ça va bien se passer, euh, t'es jeunes, euh, on va te garder, peu importe. Mais moi, j'ai toujours le comme Ok, mais il y a tellement de choses qui se passent en ski que comme il y a tu t'sais si je me blesse, est-ce que je vais revenir si j'ai une mauvaise saison? Ce qui n'était pas vraiment arrivé jusque là. Sincèrement, j'ai toujours eu des bonnes saisons, j'ai toujours eu une courbe de, de progression assez, assez constante. Assez constante. Ouais. Donc euh, ben finalement, on m'a dit, dit, on m'a dit Pas garanti, mais un peu dit comme. Rassuré. Oui, ouais, on va me rassurer. Fait que finalement, j'ai décidé d'y aller. Puis euh, encore là, ça s'est bien passé avec ma famille, puis tout ça. Puis on était tous là-dedans en team. Euh, en « OK, fait, on va t'aider, tu sais, peut ça, trouver un, une résidence à Cargary, dans, dans les, les universités là-bas. Là puis, dans le fond, euh, c'est ça. Là, la semaine d'après, j'étais à Calgary. puis euh, le show partait là. C'était l'entraînement cinq fois semaine, euh, cinq fois semaine, ben, cinq jours semaine. Puis, dans ces cinq jours-là, tu t'entraînais deux à trois fois avec des séances euh, tu sais, de, de physiothérapie, avec des séances de psychologie sportive. Euh, puis là, on est, on est rendu où dans, dans l'année? Là, on est rendu à 19 ans, de... 18 ans. Je venais d'avoir 18 ou 19 ans. OK. Puis moi, quel mois? De... <coughs> on est en mai. Puis là, je... toutes les soirées que, que je vais là, raconter, ça s'est passé en avril. Fait que là, le cégep... Ben là, il faut que je finisse le cégep. C'est ça, il te reste tes examens. Il me reste parce mes, mes examens, examens au cégep. Euh, okay. euh, cette année-là, j'avais eu une commotion en fin d'année. OK. Puis j'avais pas pris beaucoup de cours, mais je m'en étais gardé. Je pense que j'en deux, deux trois. Euh, pour les gens à la maison, c'est sincèrement vraiment dur d'avoir beaucoup de cours à l'école en même temps de, de faire du ski. Là, t'as pas vraiment de temps pour ça. Ah, ben oui, non, non. Il euh, y, y en a des exceptions qui, qui vont en faire. Du moins pour avoir des bonnes notes à l'école. Ouais, exactement. C'est correct à avoir un 60. Là, mais, non, t'sais... exactement. Pour avoir des bonnes notes à l'école, c'est sûr. Mais euh, c'est vraiment, vraiment pas facile. Mais effectivement, là, je finis mes. Finalement, on s'arrange. Puis je finis mes examens au cégep, Ça se finissait mi-mai. Puis, euh, ben, ça se passe bien. Okay. Puis euh, je m'en vais finalement à Calgary. Puis là, le show commence. C'est euh, les entraînements puis tout ça. Comment tu trouves ça, au début? Euh, L'adaptation, tout ça? Euh. Euh, avec du recul, je trouvais ça, un, je trouvais ça tough parce qu'il y avait personnes du Québec qui était avec moi. Donc, il n'y avait pas personne de l'équipe du Québec ou de mes amis. C'était une autre adaptation, une autre équipe, un autre environnement, une autre ville, une autre langue. Ouais, ben c'est ça. Ouais, euh, je suis du nouveau monde. F... Québec, ton... Une nouvelle vie, en fait. C'est une... complètement une nouvelle vie, tu sais. Ton ami, avait-tu été pris? Will? Will, non. Malheureusement, Will, non. Euh... <laughs> non, non, mais ouais. <laughs> mais... Non, non, non. Non, non, mais ouais est, Non, c'est vraiment... tu es tout seul. Ouais, tu n'as même pas je, ton je ami, tu n'as aucune référence. Euh, je suis aucun, euh, aucun coach, est là, qui est de la ouais. région ou tout. Euh, donc, euh, ça part. Puis, euh, c'est quoi je veux dire? Euh, non, c'est ça. Fait que ton adaptation au début, c'est vraiment ouais, ça. Puis, euh, <laughs> tu sais, je me débrouille vraiment bien en anglais. Puis, c'est là aussi que j'ai perfectionné mon anglais. Tu sais, mais, veux, veux pas. Tu parles dans une autre langue. Tu traduis tout dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe là, en une ouais. fraction de seconde. Puis, c'est épuisant. Tu sais, mm -hmm. genre, quand t'as jamais vécu ça, là. Euh, des nouveaux termes aussi en ski, des nouveaux exercices. Là, je disais oui. tantôt que t'es prêt à. Ouais, parce de... que c'est surtout là. Parce que je veux ouais. dire, avec une conversation, euh, je veux dire, ça, ça, ça tu, 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 tu le gères ouais. bien. Ouais. Mais c'est rendu ça à piste où toi, t'as tes feelings dans ta tête, tu sais mm. qu'est-ce que t'as fait. Puis là, t'as as une discussion avec ton entraîneur ouais. de comme, OK, comment t'as trouvé ça? Telle partie, là, il te nomme ouais. des termes. C'est sûr qu'au début, tu vas être comme. Ça marche sur prendre ouais. ta chaise puis t'es genre, qu'est-ce qu'il vient de me dire? Ouais. C'était quoi déjà les mots? Oui, <laughs> ouais, c'est ça. Puis il ouais. y, y a une autre adaptation au niveau aussi de la culture. Euh, c'est là que tu remarques que le, le Québec je suis pas séparatiste mais le Québec je me souviens le Québec et le reste du Canada n'est vraiment pas pareil mm -hmm. merci qu'on n'est pas pareil c'est ça qui fait un aussi beau pays mais euh, je veux dire la culture est différente les manières de communiquer sont différentes l'humour est vraiment différent euh, ouais, est et la vision des choses est vraiment différente donc, communiquer avec ton entraîneur, avoir un, un, le même lien que j'ai mon entraîneur ici au Québec, puis qu'on part des mêmes bases, <laughs> ben c'est des différentes bases dans l'Ouest. Donc, la communication est un peu plus difficile. Euh, j'ai de la misère un peu à, à avoir le même lien que j'avais avec mes, mes entraîneurs ici. Puis c'est un lien qui est professionnel aussi. C'est pas, euh, pas ton chum, c'est pas ton ami. Lui aussi, il est payé pour le Canada, pour donner des performances, t'sais, puis tout ça. Fait que lui, il y a des rendements aussi à donner. Puis euh, Dieu sait euh, il ouais, y a beaucoup d'argent qui se met là-dedans, puis euh, t'es mieux de pas, euh, comme ils disent en anglais, fuck up. Non, ben non, mais ben, de... c'est autant vrai pour les coureurs que pour les coachs parce que tout le monde ouais. doit vous donner un rendement. Tu es vraiment. Plus tu montes, plus tu te rapproches de la porte. C'est le même aussi dans une business. On là, va, là, comparaison encore au hockey, là, Claude Julien, là, avec le Canadien, ça. ça se passe mal. Là. On parle de, de, après deux semaines de, de le congédier. Mm. mais c'est la même chose là, pour. Fait tu sais, les, les coachs ont cette pression-là de OK, c'est cool, oui, on a du fun, mais je veux dire, moi, il ne faut jamais des, des résultats. là ouais, Parce qu'il pis... y a une masse de fric qui a été mis là-dedans, venant du gouvernement, des commanditaires de tout partout. Plus, toi, en tant que coureur. En plus, toi, tu avais vu tes amis, ou en tout cas le monde que tu connaissais, ah oui. qui eux autres, en dedans d'un ben, ouais. an ils puis, ben, pas tout sacrifié, mais en tout ouais. cas, ils avaient sacrifié beaucoup, beaucoup. Oh, ils étaient passés par là, la même, la même, les mêmes étapes. fait, Tu sais, c'est sûr que ça, ça reste dans la tête. Là. Fait, que, fait que la relation doit être un peu moins là qu'à l'équipe du Québec, où oui, il faut que tu mettes des rendements, mais une fois qu'ils sont là, les, les résultats, je veux dire, après ça, ben, on, peut, on, puis on peut chaser, aussi... Puis, aussi ah. euh... Tu sais, je le dis depuis tantôt, l'Europe et l'Amérique le, le, du Nord, c'est pas, pas toute la même affaire, mais en même temps, on n'a pas le droit d'avoir ce thinking-là quand t'es rendu là. Parce que quand t'es rendu là, ils, ils se disent, t'es capable de compétitionner avec eux. Il faut. Il faut, t'es obligé. Parce qu'à un moment donné, tu vas compétitionner avec eux si ouais. tu montes plus haut. Fait que c'est là souvent qu'on va rattraper les Européens qui ont fait beaucoup de ski dans leur jeunesse, que tu sais, eux, leurs étés, c'est l'hiver. Fait que. Euh, c'est le ouais, à l'année. Ce qui est à l'année. Que... Donc, tu as été combien de temps sur l'équipe de développement Un an. Un an. Un an. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de délaisser ça euh, Écoute, euh, délaisser, je n'ai pas délaissé mais je vais délaisser. On est... ah, mais dans on, je ne sens. Mets pas délaisser. ce que euh... Parce que je connais un peu ton parcours. donc ouais. Ça a été quoi le saut pour ce qui est venu par après oh, l'équipe mais... de développement Oui, mais si tu parles, mais... je ne je veux, veux, veux pas changer le sujet, mais mettons. Ta saison, elle, comment ça se passe avant, avant de dire comment ça se ouais, finit? là. Oui, oui, exactement. Complètement Comment mal. se passe ta saison? Complètement mal. Complètement mal. Euh, à cause de? Euh, je pense que. Tu sais, y a -tu eu des blessures ou c'était. Eu... Euh... Il y a eu. Euh, au début, dans le fond, on est allé s'entraîner en Autriche euh, à Pittstall, qui est comme un des plus hauts pics euh, en, en Europe là, pour ce qui est des glaciers. Oui. Euh, puis à partir de là, mon condiment physique est vraiment, était vraiment solide là, dans ce temps-là. Euh, on était quasiment des rats de laboratoire. Tu étais au centre sportif de Calgary, Tu es sur un vélo, tu es plug de partout. Ils voient comment tout ton corps fonctionne, comment tu respires et tout. Donc c'est vraiment facile d'avoir une progression au niveau du physique. Tu es vraiment bien suivi. Euh, donc euh, là, j'arrive là. Puis j'ai vraiment de la misère à respirer. Puis je sais pas pourquoi. Euh, j'ai de la misère à faire mes runs puis déjà que tu es en altitude ça aide pas puis là tu te demande de performer tu te demande de faire beaucoup de runs par jour je pas hâte de suivre je suis tellement fatigué puis je comprends pas pourquoi donc c'est là qu'on va passer des tests puis tout ça puis euh, on voit rien puis tout puis, finalement on va passer des tests pour de las L'asthme aléatoire, qui est comme une, la nouvelle tendance, là, si on veut. Là, euh, ben, avec Trendy sur Instagram. C'est le TDA. Si vous avez de la euh, misère à euh, respirer. Ça, ouais. euh, euh, demander à l'asthme -ma Mais moi, je banalise ça dans le sens que, comme euh, pour moi, ça n'a jamais été vraiment une excuse. C'est plus un problème qu'on essaie de trouver. Je ne sais pas c'était quoi réellement le problème, mais j'avais de la misère à faire des méros Mais ça, ça a sorti. Ça, ça a sorti. Ça, ça a sorti. Puis à partir de là. C'est quoi, tu prends une pompe quand tu fais de l'effort ou c'est parce que de l'asthme? La, c'est niveau ça? Lance Armstrong de pompe, là. Okay. Euh, niveau quasiment Tour de France. Là. Ouais, ouais, ok. Euh, Presque. Tu dopes, es dans une tente. Non, je suis pas sûr. Non, pas sûr. <laughs> je dors dans des tentes. Ouais, non, ça, non. Complètement une, une pompe de cortisone là, ouais, qui okay. va ouvrir tes bronches ouais. au complet. Euh, mais j'ai jamais aimé prendre ça. Je la prends ouais. pas. Je la prends même pas encore. Puis... Euh, pourquoi? Euh, pa parce que. Par orgueil ou j'aime pas le feeling. J'aime pas le feeling. Okay. feeling c'est des palpitations. Le goût est pas bon. C'est une certaine poudre, là, que, dans okay. le fond de, que tu t'envoies dans, dans, dans la gorge. Puis niveau, genre, c'est pas bon pour moi. Là, habituer mon corps à ça, je me suis dit, c'est fort, fond, là. Tu sais, ouais. la cortisone, on s'entend. Puis est-ce que. Excuse d'être là-dessus, ouais. mais. Est-ce que c'était juste quand tu étais en altitude, Tu mettons, euh, autre l'Autriche, est-ce que ben, ça allait bien? Là, ou ou mettons la tu vue? reviens au Canada, ouais, puis est on a des, euh, les sommets sont, ouais, ouais, ouais. sont moins élevés. Oui, les sommets sont moins élevés, mais l'air est vraiment sec. Oui, c'est vrai. Puis ouais. il fait froid. Donc c'est pas dur. bon, <laughs> non, ça, Donc, j'ai vraiment eu un, un, la difficulté toute la saison à. À battre ça. À, à, à battre cette fatigue-là, tu sais, que j'étais. J'étais pas capable de faire 15 runs de... Je, je faisais comme une run de moins que les autres, mais c'était une run que j'étais capable de faire de, habituellement. tu sais C'est une run que je perdais à chaque jour de ski. Puis Dieu sait qu'on en a fait du ski. D'en faire chaque jour, fait une run par jour pendant ça 7 parait. jours, c'est 7 runs. Ah, oui. Puis peut-être c'est un 7 run que j'aurais pu m'améliorer. Ouais. Mais ça. Euh, finalement, ça s'est... En entraînement, j'étais direct dans les temps, je gagnais les entraînements euh, où j'étais vraiment proche de gagner. Donc, j'étais vraiment dans la game. Puis, qu'est-ce qui était frustrant toute cette saison-là, c'est que pour la première fois de ma vie, j'étais pas capable de reproduire qu ce que je faisais en entraînement en course. Ouais, parce que là, mm -hmm. le circuit, Tu es habitué au circuit-fils de l'Est. Ouais. Là, t'es dans le circuit-fils de l'Ouest. De l'Ouest, et puis je suis dans les, beaucoup dans les nord aussi. Puis là, ouais, c'est ça. Là, c'est un c'est c'est ça. Ouais. Euh, donc, euh, Okay, fait que tu fais des bons trainings, mais en course, tu n'arrives pas à reproduire ce que tu, tu fais en training. Quoi, ça ne okay. marche pas pantoute, pis je me ça, ça, ça me décourage. T'sais. Des grosses questions, tu t'arrives pas, j'imagine, ouais, à mettre le doigt dessus Oui, sais que tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de courses dans cette année-là. Ouais. Ils veulent aussi que tu baisses tes points, tu sais puis tout. Puis ça va pas. Puis plus les courses avancent, puis plus j'en fais, plus il n'y a rien qui marche. Euh, je, je, je pense... Cette année-là, ça marchait pas, je pense, avec mon, mon entraîneur. J'ai pas cliqué. Ouais. Euh, c'était pas le même type. Puis ça là-dessus, est-ce que t'as-tu eu du plaisir malgré tout ça ou. Euh, non. Ah, bien bon. euh, sincèrement, non. J'ai eu bien plus aucun de plaisir. Ouais. C'était vraiment pas le fun. cétait une des raisons pourquoi t'as. Euh, dans le ben, fond qu'est-ce qui est arrivé c'est que là il est arrivé un petit éclairci tu dans mm -hmm. cette saison de misère un peu j'arrive au championnat canadien puis les championnats canadiens sont à Saint-Anne. Ça euh, si on peut juste expliquer vite ouais. fait euh, championnat canadien. Puis championnat canadien dans le fond ouais. fils là c'est du solide c'est les meilleurs skieurs canadiens euh, tu sais tout âge vendu. peut-être la figure que tout le monde connaît c'est Gay. Eric Gay euh, a le droit après à être titré meilleur dans le fond le skieur le plus décoré au Canada ouais, de l'histoire se au championnat canadien, il y a une grosse saison, il se repose, puis c'est bien correct. <laughs> mais mais les, euh, autres... les autres qui sont juste en dessous, qui sont sur le circuit de la Coupe du Monde, sont quand même là. Mm -hmm. T'es meilleur, le, les meilleurs, les meilleurs. Ouais. C'est les meilleurs. Donc, là, en slalom géant, ça se passe à Saint-Anne, Saint-Anne, que j'ai toujours eu une bonne confiance, j'ai toujours eu des bonnes courses à Saint-Anne, puis là, je reviens dans mon patelin, tu sais. Avec l'équipe du Québec, là, là, c'était centralisé, là, mais ça se passait à Saint-Anne, les entraînements pas mal. On était dans un petit chalet Montmorency, juste en bas de la côte, puis on, on passait notre année-là quasiment. Puis finalement, j'arrive cinquième. J'arrive cinquième au championnat canadien. Puis là, finalement, j'ai réussi à mettre deux runs ensemble. Ouais. Que je savais que j'étais capable de faire toute l'année avec les meilleurs skieurs au Canada, t'sais. Donc, euh, ça, c'était vraiment de la confiance. Puis euh, ça, ça repartit pour la fin de la saison. Mais encore là, la fin de la saison, elle se finit dans deux, trois semaines. C'est ça. fait que ouais. j'ai manqué trois mois de, 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 de performance, si on veut. Mais, euh, donc là, j'arrive à la fin de la saison. Il y a un autre camp de sélection de l'équipe de développement. Il me réinvite. Oui, euh, ouais, parce que c'est ça. Il faut, faut mentionner que c'est pas parce que tu es dans l'équipe que non. tu, tu, as, tu, tu, fais tu, tu année repars année à après, zéro. Hein, c'est ça. On va refaire le camp de sélection. Tu n'auras tes temps. Je ouais, <laughs> n'ai <c 'est ça. rire> <J> <laughs> jamais eu mes temps. Ça. La seule <laughs> affaire que tu as de plus que les autres, c'est que tu l'as déjà vécu. Je l'ai déjà vécu. Ouais. Tu peux donc, je sais que ce n'est pas le cas c'est sais qu'il est coach. Je veux dire... Ouais. T'as cet aspect-là de connu Oui, complètement. C'est ouais. euh, ça. Puis là, je fais le camp de sélection. Puis, tu sais, je repars parce que c'est mes coachs qui sont là. tu <laughs> sais, je leur parle de, de tout et de rien. T'sais. Puis, je les connais mieux. Puis, tout mm -hmm. ça. Ben oui. Puis, euh, j'ai des discussions avec eux. Puis là, finalement, un meeting d'après euh, saison euh, avec eux. T'sais, on parle de tout et de rien. Puis, justement, la question, qu on m'a demandé, tout de suite du plaisir. Genre, j'ai tellement aucune misère à dire, j'ai eu aucun fun cette saison-là. C'était vraiment atroce. Au niveau performance, au niveau gérer tout ça, c'était vraiment une des saisons les plus difficiles. Puis, finalement, euh, j'arrive au, au camp de sélection. On fait le camp de sélection. Il y a un camp de vitesse après qui dit, si vous voulez, vous pouvez faire le camp de vitesse. Euh, si vous êtes pris dans l'équipe, euh, vous n'avez pas à le payer. Si vous n'êtes pas pris dans l'équipe, ben vous allez le payer. Vous allez le faire. Là, je suis comme, Colin, ça veut dire quoi cette affaire-là? Le genre? fun. Ouais, donc euh, c'est ça. ça. Finalement, écoute, je démonte du sérieux, puis je suis là, puis je je le fais tu te présentes parmi les quatre qui se sont présentés ouais. sur une dizaine ben, je suis là puis je le fais puis euh, je fais de mon mieux encore une fois puis ça se passe super bien là j'ai mes temps c'est quand tu super j'ai là j'ai mes, ouais, mes temps Oui, j'ai mes temps j'ai des bons temps j'ai des bons temps Puis yes. de l'avance là tu sais ouais. là je me dis écoute selon la conversation que j'ai eue au début de l'année la, la semi garantie sans me dire c'est garantie que t'es l'année prochaine je me dis je vais revenir. Je revenais, puis euh, je me dis, ils sont assez conscients de savoir que pour un jeune de 18 ans, 19 ans, ouais. c'est une grosse adaptation. Ils sont pas épais, là, il y a eu une, 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 une année difficile, puis on, on va le revenir. Il, il est là dans le training, il y a, a eu un hop, un une bonne performance. Euh, il est capable de skier avec les meilleurs. Donc, euh, ben, finalement, euh, à la fin, fin, fin. L'année, j'ai une rencontre avec comme le gros boss. Puis je me souviens une autre fille qui est un peu dans la même situation que moi. Puis il nous explique que dans le fond, il n'y aura pas d'équipe de développement l'année prochaine. Euh, zéro. Tout il n'y a cool. juste pas d'équipe. <laughs> il n'y a pas d'équipe. Puis la raison est simple, c'est une année post-olympique. Puis comment, ça, comment les commanditaires passent, c'est que mm -hmm. les commanditaires arrivent dans les deux, deux dernières années, tu sais, c'est à, à chaque quatre ans. Ouais. Ils arrivent dans les deux dernières années, puis là, ils se avec les athlètes, puis avec l'équipe. Puis l'équipe a des revenus pendant ces deux années-là puis après ça la dernière, heure, pff, ils n'ont plus de récents c'était où les Olympiques les récemment euh, euh, qui dit ton poste Olympique 2014 je pense Sochi. 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 Okay. <laughs> ouais donc euh, là euh le sapport le, le, les options okay, est ce que tu veux aller à l'équipe retourner sur l'équipe du Québec est-ce que tu veux euh, aller euh, aux États-Unis on va t'aider à avoir des bourses puis à te compétitionner Il faut dire qu'aux euh, États-Unis le, le circuit NCAA là, il est vraiment vraiment fort et euh, puis beaucoup beaucoup d'athlètes soit après l'équipe du Québec ouais. l'équipe de développement vont aller continuer leurs études aux États-Unis ouais avec un full scholarship, donc des bourses ouais. d'études. Ouais. Tu t'en vas dans des, dans des nice universités, ouais. qui eux autres te supportent. Pis toi, ben, là, tu peux te permettre de faire du ski. Souvent, l'ambiance est vraiment plus le fun, ouais. vraiment moins stressante. Tu continues ouais. à bien performer. Puis, en même temps, tu étudies, Donc, tu peux sortir de là avec une belle, un beau bagage, de l'expérience de plus, puis en plus avec un, un bac ou en tout cas un équivalent de... Ouais, c'est ça. Mais euh, encore là, c'est énormément de ski, tu sais. Oui, ben oui. Ouais. Donc, euh, c'est à considérer. Puis là, il y a mon entraîneur qui était là, comme moi, quand j'étais à Saint-Sauveur, Michel Huot, qui est encore mon entraîneur aujourd'hui, qui est à la tête des carabins depuis mm. euh, assez longtemps. Tu sais, puis qui, qui me dit Ah, bien écoute, tu sais, tu le sais que tu as toujours une place avec les carabins, puis si tu veux venir, on va t'aider, tu puis on va arranger l'école, puis euh, tout ça. Donc, il euh, y a ça aussi qui me trotte dans la tête. J'ai toujours été un gars qui était vraiment diversifié dans qu ce qu'il faisait, puis. Euh, C'était tellement une saison de misère, puis une saison qui m'a ôté le plaisir de skier, euh, que j'ai pris la décision euh, de juste revenir à Montréal, puis de revenir à l'école, puis de revenir dans... Euh... Mais le plaisir que tu as eu, ouais, ouais, dans, dans as le, le plaisir ça. que j'ai eu, puis j'ai décidé de revenir dans les Carabins, l'université de Montréal. Puis il faut dire que dans le fond aussi, le... le pas le, le choix qu'il me donnait, c'était ça. Ou tu peux payer une somme de euh, 60... Je pense que c'est 60 000 ou 70 000... Dollars. Données. <laughs> 60 000, 70 000 dollars. Puis, dans le fond, tu, on, 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 va, on va te traiter ici, puis on va faire comme si tu si étais dans l'équipe. Sauf qu'on n'a pas de commanditaire, et rien. C'est vraiment. Ouais, vrai. Papa, ouais ça sort de ta poche. Ça sort de. Oui, oui. Puis Dieu sait que j'ai beaucoup travaillé dans ces années-là pour mais me tu ramasser... l là Tu l'as vraiment dans ton compte ah, de banque oui, oui. à puis comme rien. Oui, oui. Qu'est-ce que je vais faire avec J'ai un 100 000. Oui. Je pourrais passer 60 000, puis le reste, c'est <laughs> parfait. Tout va bien. C'est ça. Clairement, tu... je me sens à l'aise de dire à mes parents, après l'année qui s'est passée, puis toutes les bonnes garanties que j'ai eues, puis tout ça. Puis voir un peu la vision du ski, de, de, de voir ça, puis dire, papa, maman, écoutez, 60 000 là, j'aime ça le ski, je vais faire ça de ma vie, puis j'aimerais ça qu'on l'investisse là-dedans. Donc, jamais dans ma tête ça s'est passé. Là, toujours, je me suis senti un peu mal mm -hmm. envers mes parents. J'ai toujours. le ski, c'est un, un sport qui coûte énormément cher. Puis mm -hmm. mes parents, ils ont fait énormément de sacrifices pour que je fasse ça. Euh, puis je me suis toujours un peu senti mal, mais. Un peu mal placé de ma part, mes parents, ça leur fait plaisir et tout, c'est sûr. Mais en même temps, dans ma tête, ça tourne toujours dans ma tête. T'sais. Puis je me souviens, un, un de mes autres euh, amis en ski qui s'appelle Édouard Dumalompré, qui maintenant ne fait plus de ski, qui est ingénieur, euh, mais qui était très, très, très bon quand il était plus petit. Puis Édouard, lui, il y a une année que ça n'a pas été bien, puis l'autre année, il a arrêté, complètement. Puis il m'avait dit, je lui dis, on était comme pourquoi, Edouard a arrêté. Mais c'est simple. Il dit, c'est pas vrai que je vais faire payer ça à mes parents. Là, ça coûte beaucoup trop cher. puis il dit je me suis toujours dit de la minute que, comme, tu sais, je, je suis plus on top ou sais que ça va plus bien. Je peux plus me permettre de juste faire ça pour le fun. Puis moi, dans ma tête, tu sais, je, je connectais avec cette idée-là. Tu sais, j'étais comme, écoute, c'est bien le fun, c'est un, un beau sport, puis tout ça, mais, je, mais je, suis pas, je suis pas au niveau de prendre ça comme un passe-temps, puis de dépenser cet argent-là, tu sais, là-dedans. finalement, j'arrive les carabins, euh, puis un peu le deuil que tu fais de, 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 du rêve olympique que j'avais quand j'étais petit. Euh, puis je me souviens encore dans l'entrevue de sélection à l'équipe canadienne, c'était quoi ton rêve? Moi, mon rêve, c'était de gagner une médaille d'or pour le Canada aux, aux Jeux olympiques. Fait que tu, tu mets un peu en, en deuil ce rêve-là, puis tu reviens à Montréal, puis d'une année à l'autre, tout se finit. Donc là, j'avais quoi, 18, 19 ans? J'avais 19 ans, puis j'avais commencé à 7 ans le ski. J'avais passé 11 ans à faire ça. Puis... D'une semaine à l'autre, paf. on tout est Ça finit. Euh, donc. Euh, autant ça a commencé, genre, vite. Ouais. Autant ça, ça finit a vite. Ça vite. Ouais. Ça finit vraiment ça. vite. Ça. Puis j'ai toujours été, je pense, un, euh, réaliste. Il y a beaucoup de monde qui vont dire, oui, mais tu peux revenir, tu sais, puis tout ça. Moi, je m'étais dit, écoute, c'est le temps de prendre une décision. Tout se passe vite. Tu te demandes de prendre des décisions vite. Moi, il faut que je prenne une décision vite. Puis je pense que la décision la plus logique de comment je me sentais à ce moment-là, puis comment ça se passait, c'était vraiment, pour moi, facile d'aller vers les carabins. T as suivi ton intuition. Tu sais. L'instinct, le cœur, la ouais. tête. Euh, je me voyais longtemps, qu'est-ce qui était bon pour moi à long terme. Ben j'ai fait, je suis mieux d'aller là-dedans le plus vite possible, puis me stabiliser là-dedans, une stabilité que j'ai pas eue depuis, je sais pas combien de temps. Mm -hmm. Puis un peu retrouver le fun, tu sais, de, de, de skier, Initial, puis tout ouais. ça pour bien finir ça. Donc, euh, maintenant, je suis là, ça fait trois, 3, quatre 3, ans. Je pense que c'est ma quatrième année avec les, les carabins. Donc, tu peux faire pendant le cégep, ils vont te recruter, tu vas porter leur manteau, mais tu ne vas pas compter dans les points euh, des de, courses universitaires. Euh, tu compétitionnes juste pour toi. Euh, en attendant de finir ton cégep, euh, que j'ai fait en quatre ans. J'ai fait mon cégep en quatre ans. Euh, j'ai jamais arrêté, j'ai toujours pris des cours, moins de cours, beaucoup moins de cours, là, évidemment, que tout le monde. Je suis revenu, euh, la minute que je suis revenu de l'équipe euh, l'équipe canadienne, il fallait que je finisse mon cégep aussi. Ouais. Puis là, je me tapais des huit cours pendant la session. Yes, le la, à joie. Ah, la joie. La joie <laughs> du huit cours parce que je voulais vraiment finir puis rentrer à l'université. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui est quand même impatient à ce niveau-là. Puis j'ai toujours voulu comme, monter quand même assez vite puis rejoindre mes amis que je voyais que je prenais du retard sur eux à l'école, tu sais, puis tout ça. Donc, euh, du 8 cours, des cours à distance, des cours d'été, euh, jusqu'à la date limite que je pouvais rentrer à l'université. Puis finalement, je suis rentré à l'université euh, au HEC. Puis là, dans le fond, je fais ma, ma deuxième année là, au, bac, euh, au baccalauréat en administration. j'adore euh, ça. J'adore ça. J'adore l'HEC. la passion que tu avais, en ski? tu peux te dire que, euh, mettons, aujourd'hui, une nouvelle saison qui s'en vient? Là, ouais. T'es-tu es, es excité? Es ça es -tu, fait longtemps euh... que je me suis pas senti de même. Oui, parce que, parce que là, tu l'as mentionné plus tôt, ouais. mais t'accroches tes skis à la fin de l'année, c'est ouais. ouais, ouais, la, la dernière année. Oui, euh, c'est la dernière année. Parce que dans le fond, c'est ta dernière année à l'université. Non. Même pas. Non, tu même pas. Deux il, va il va me rester euh, un an et demi de bac à finir, <coughs> euh, environ. Puis après ça, je ne compte pas nécessairement arrêter là, faire une maîtrise et tout ça. C'est sûr que ça, ça dépend là, de. Si je travaille entre temps, je fais ma maîtrise le, le soir ou whatever, les options qui mm -hmm. se passent. Là, mais j'en ai un peu, j'ai encore du temps à l'école. Puis, euh... puis comment. Euh, tu sais, je veux dire d'habitude, là, ben là, là, c'est sûr que ça fait ouais. 4 ans là, que tu avec les, les, les carabins, mais avant, tu préparais ta saison, puis à ce temps-ci de l'année, tu étais déjà d'un camp, puis tout ça. Ouais. Comment tu te prépares pour ta dernière saison? As tu as-tu un mindset différent cette année, sachant que c'est comme la dernière? T'sais? Ben, c'est beaucoup de. Justement, tu sais, faire ça aujourd'hui, ça, ça, ça me rappelle un peu le parcours que j'ai fait, tu sais, ouais. ça. Puis, la dernière année, c'est sûr que tu te dis, euh, euh, je, je veux un peu, pas redonner, mais comme, je veux montrer l'exemple, tu sais, je veux, je veux aider, euh, tu sais, les, 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 les plus jeunes. Les plus jeunes. Comme un vétéran. Là, es ouais, comme ouais, un vétéran com au hockey qui. Complètement. Tu sais, je suis dans les plus vieux de l'équipe. Euh, j'ai eu le parcours que j'ai eu. Euh, J'essaie de faire une différence à ce niveau-là, puis d'aider un peu par, par le parcours. D'échanger avec ton expérience. Puis, tu euh, sais, mes parents, ils m'ont dit, à, je me souviens, j'étais dans mes examens finaux dans la session, puis je venais de finir, puis l'été commençait, puis mes parents, je pense, allaient souper, whatever, ils me disaient en partant. Puis là, père, tu fais -tu une autre année de ski Qu'est-ce qui se passe avec ça, Là, euh, là je suis comme, ben oui, ben oui, je fais une autre année. Mes parents me regardent, ah ouais, t'es sûr Non, on pensait que c'était fini là. je <laughs> là, suis comme, hey, là, je suis pas dans l'affaire. Ben non, c'est pas fini avec le stress des examens, tu sais, tout ça. J'étais comme, ouais. ben non, c'est pas fini et tout. Puis dans le fond, le, le concept de dernière année, je me suis dit, c'est que je veux savoir que c'est ma dernière année pour <laughs> me dire, ok. C'est la dernière fois que je fais Tremblant, c'est la dernière fois que je fais Bromont, puis je, je suis dans Sterling Gate, puis je le sais que, comme, tu sais, c'est la dernière fois que j'ai poussé de là. Mm -hmm. En profiter, le... En profiter ouais. au maximum, ouais. tu sais. Ouais. Donc, euh, ça, c'est un différent minding que, que, que j'ai, là, en, en ce moment. Okay. Cool. Ouais. Cool. Puis, euh, moi, la dernière affaire que j'aurais à jaser avec toi, mais en fait, la dernière question que moi j'ai pour toi, c'est ouais. après. Tu après. As tu as-tu des postes universitaires euh, skieurs? Qu'est-ce que. Est-ce que, est que, est que tu veux continuer. Je, ben oui, tu, tu veux continuer à skier. Est-ce que tu veux être coach? Tu veux tu, euh, as partir une web série en ski? Qu'est-ce que tu veux faire? <rire> <rire> si vous avez besoin de quelqu'un pour quelque chose avec le ski show, ça me faire plaisir. <laughs> mais euh, non, c'est une question qui est, euh, qui, 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 qui est bonne. Tu n'as peut-être euh, vraiment pas de réponse en ce moment. Non, non, aussi, mais il mais... y a beaucoup d'affaires. Est-ce que tu vas coacher? Est-ce que tu vas faire ça? J'ai j'aime ça. J'aime ça vraiment aider puis comme me donner à quelqu'un puis essayer de vous... Mm. Tu sais, avec l'expérience, je sais que j'ai pas été nécessairement une personne euh, Tu sais, on parle de, de vraiment grinder qui faisait juste ça puis qui était... Moi, je faisais beaucoup de choses différentes puis j'étais une personne... Je, je pense que j'étais une personne, tu sais, qui venait de la ville aussi, qui avait un différent thinking sur la vision des choses puis tout ça. Donc... Puis je pense Étienne que tu, tu le fais bien aussi en tant que coach là, un coach comme j'aimerais avoir un coach comme toi <laughs> justement ouais. qui, qui essaie vraiment de comprendre l'athlète. Puis c'est vraiment ça que j'aimerais faire ouais. si j'étais un coach. On l'aurait gagné le dévot ensemble. J'aurais ah, eu mes temps. J'aurais eu. Le, ouais. mais, euh, <laughs> mais non, mais si 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 j'étais si coach, euh, ça serait comme ça que je voulais, je voudrais être. Mais. Euh, encore là, je pense que c'est bon aussi de prendre une pause du ski puis de faire voir mes options au niveau du monde des affaires puis du monde professionnel plus dans ma lignée en ce moment. J'aime beaucoup l'école, j'aime beaucoup apprendre, puis je suis vraiment motivé à d'autres choses aussi que ça. Puis, euh, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Euh, les carabins, j'ai passé quatre ans là. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui, euh, qui finissent leur parcours universitaire, puis après ça, ils s'en vont coacher. Ils ont des offres de coaching avec là. Puis, ouais. c'est vraiment le fun. Puis, c'est vraiment une belle manière aussi de faire une transition entre mm -hmm. l'après. Puis, donc, on va voir. Mais... Tu te laisses porter. Je me laisse porter en espérant avoir un stage cet été. Donc, euh, ben on on souhaite bonne chance. Hein? Oui, ouais, merci. Ouais. merci. Boris aussi essaie d'avoir un stage. <laughs> ouais, aussi. Moi, j'en ai déjà un pour l'hiver, par exemple. Yes, euh, Félicitations, Boris. Félicitations, Boris. Ouais, ah, ouais. À Boris. Ouais, Mais, euh, OK, cool. Vous autres, les boys, avez-vous euh, d'autres questions, commentaires? Non, je pense... Ben, ça avait... Mais moi j'aimerais dire un gros merci à Lambert d'avoir passé du temps comme ça avec nous, de ouais. partager ton histoire. Je pense que c'est rare que euh, les gens vont, euh, on prend le temps de s'asseoir comme ça puis de, de, de jaser de, du background de ski de quelqu'un euh, qui, qui en a autant derrière le chapeau que toi. Je pense que c'est vraiment cool de pouvoir le mettre de, de l'avant puis ici, ça peut aider une couple de personnes qui sont peut-être dans leur cheminement dans le ski à peu près ce qui était ce que tu étais rendu à l'époque ou des plus jeunes qui nous écoutent, ça peut leur donner une idée de où ce qu'ils veulent s'en aller et tout. Ouais. Je je pense que euh, ça peut définitivement aider euh, beaucoup de personnes. Ouais puis ça puis en tout cas personnellement avant de te rencontrer, je savais tu qui, l'embarcaselle ou tu étais bon en ski ou bla, bla, bla mais je savais pas tout le cheminement que tu avais fait, Je ne je savais pas tout ça. Ouais. Ah. Puis en, en jasant avec toi puis tu assez humble là-dessus, je veux dire tu t'arrives pas le matin comme hey, j'ai fait l'équipe de développement toi, ça ouais. va? tu ouais. t'arrives ouais, pas, arrive. pas de même fait que, fait que je veux dire de savoir tout ça, je trouve quand même que c'est pas rien. Ouais. Puis euh, c'est ça. Donc euh, donc ouais, je voulais te remercier. Merci, tu été très généreux de ton temps, tes infos tout ça, c'était super cool. Ouais, merci beaucoup. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Je te connaissais pas du tout ton background en ski mm -hmm. puis vraiment fly. Ouais, mais merci beaucoup, c'est vraiment gentil les boys. Puis euh, là moi, je veux pas je pas faire de plug là, mais j'ai entendu Non, non, ouais, bah, j'ai oh, entendu bien. dire oui. J'ai entendu dire que le 16 novembre Le 16 novembre mesdames et messieurs, le 16 novembre, il y avait un party de lancement. Oui, euh, donc là c'est euh, le lancement de Ski Show saison 3. Ouais. Alors, on lance la saison en grand le 16 novembre prochain. Euh, ça se passe de, de 7h à 9h le soir chez un joli film à Montréal. Proche de Laurence-Juliette. Oui, exactement. Donc, la grosse orange à la côté de la quinte. Honnêtement, c'est proche de Donc C'est chez là. un de nos commanditaires qui, euh, <laughs> qui, euh, nous a énormément aidé avec notre voyage qu'on a fait l'année dernière. Donc, on a fait un méga épisode au Chic-Choc qu'on a parlé un peu plus tôt. Puis, on va faire la première mondiale, mesdames et messieurs, de l'épisode final de la saison 2 et on va lancer la saison 3 Ouais. En grand cette soirée-là. On a plein de surprises pour vous euh, cette soirée-là pour pouvoir voir ça se quoi les surprises. Il, il, va falloir... Vichy, <rire> <rire> il va falloir être là. Il va falloir être là. Alors, le non. 16 novembre, il y a oh un non, event Facebook. Vous euh, êtes oui. bienvenus de nous rejoindre. Moi, Boris ouais. et euh, Étienne vont être présents. Lambert va être et là. Et je pense ouais. même que Lambert va être là pour pouvoir signer vos skis. Donc, si vous voulez signer, ouais. signer ouais. vos skis, votre Sharpie, Lambert, ça va lui faire <laughs> plaisir de dessiner un bonhomme sourire sur vos skis en dessinant. Ouais. Euh, Permettez-moi de finir peut-être là-dessus. Euh, je voulais vous remercier, un de, de, de la tribune, si vous voulez, là, le, de, de me laisser la chance de parler euh, sur, sur le parcours et un peu le ski euh, amateur. Euh, je pense sincèrement que vous faites une réelle bonne job euh, au niveau du créneau que vous allez chercher euh, dans votre web série et dans les nouvelles idées que vous apportez. Euh, sincèrement, c'est fantastique. Bravo les gars. Merci. Merci. Ouais, parce que parce qu'on va se le dire, euh, Lambert est quand même privilégié. Il y a quand même des, il y a quand même, <laughs> il y a quand même une coupe d'idées qui sait déjà, il y a quand même une coupe de trucs qui c'est déjà ouais. que va faire, que vous savez pas encore. Il y a des inside scoop. Bon, ouais. Ça d'ailleurs, si je pouvais même euh, lancer ça. On travaille fort pour faire euh, un épisode avec euh, les carabins, donc euh, ça c'est à suivre. T'sais, on vous avait dit qu'on allait être honnête avec vous quand on allait avoir plus de réponses. Ça c'est un des trucs. Fait que ça se pourrait qu'on retrouve Lambert euh, devant la caméra ou en tout cas en train, en train de faire une en train de faire une pratique sur, ou, les, hein? pistes. sur les pistes. Exactement. Euh, ah, j'allais dire des <laughs> J'allais dire des est est là. Même, regarde, va se retenir. Va se retenir. Voilà, est bon. Mais ok, fait que là, donc 16 novembre. 16 On novembre, est là, on s'inscrit. Ouais. 10 piastres. C'est de bien d'entrée. C'est rien, on va, vendre, on va vendre des goodies. Vous allez voir, là, ils vont avoir tout Et ça à a Plein de surprises, plein de surprises, plein de belles choses. Plein de beaux mondes. C'est la meilleure place si vous êtes excité pour votre saison de ski vous voulez être avec rempli de monde qui aime autant le ah. ski que vous. C'est la place à être. Puis on on va jaser de ski. Puis euh, Lambert, il signe des skis. Ouais, puis soyons honnêtes, il euh, n'y a rien à faire d'autre le 16 novembre que ça. Ben non, non, non. C'est pas le temps d'aller jouer dehors. C'est dans le IF3. C'est ça, c'est la fait. C'est le fait. Exactement. Oui, parce que vous avez été en. Vous avez quoi? Quelques milliers à nous demander comme là. Vous êtes allé au Shake shock, pas eu d'épisode. et où l'épisode, je la trouve là C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Donc Lambert, quand on termine l'émission, on a une c'est compliqué. On a un nouveau concept pour finir la presse qui show. Donc normalement, ce qu'on fait. Dans la web série, c'est qu'on se tape dans les mains. Mm -hmm. Alors là, dans le fond, c'est une double tâche. On essaie de se taper dans les mains euh, pour Avec la caméra, mais également taper le micro pour les gens, le duo, qui fassent comme Ah, oh, ok, là, c'est que... vraiment fini. Donc c'est comme un double, on... oh, hey, ouais, guest, okay. un double check. Okay. On va mettre le micro ici. Fait fait que... ben, écoute, merci Lambert. On se voit la semaine prochaine, la gang. On n'oublie pas d'aimer, partager, aimer, partager Facebook, Instagram. Mais vous le savez, là, ça, on est tenté le dire et euh, venez le 16 novembre, faut quand même le dire. Donc aimez, partagez, subscribe, L like, share. On va mettre les coordonnées en bio. Oui. Le <laughs> le <follow>. oui. Instagram. <laughs> Instagram, Facebook. Ouais. Alright, okay. sur hey, ça, Merci okay. tout le 1 2 3. Nice.